Thank you.
Ouais, mais on vous entend pas, parce que faut pas le son, c'est défait. Je vais chercher une prise. C'est celui-là qu'il faut l'activer, je crois. Salut tout le monde. On est de la même couleur, on est assortis. On est assortis. C'est pas mal. Je vais juste vérifier que bien c'est là. Hop, bah, désolé pour le petit bruit. J'ai un doute sur le bon micro. On est en direct. Coucou Namalou, coucou Caramel Doré, coucou Stéphanie, je partirai avant la fin, j'ai Balnéo. Ok, coucou tout le monde, Lorsan et Remingo, salut Dalti. Ah, coucou Zazabel, c'est cool que vous soyez là. Et ben voilà, ça y est, je suis avec Remingo, c'est trop cool, on est trop contents. Alors cette fois, il n'a pas préparé de dessin. Non. Je suis arrivé comme ça parce que je me suis dit que je verrais un petit peu avec vous en fonction de ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de faire. Donc je me suis même dit qu'on pourrait même détailler un peu tout le processus optimal que je ne fais pas à chaque fois. Mais, ça peut être cool. Avec une préparation en mini, composition, après essayer de se refaire un petit peu en grand. Peut-être c'est bien parce que surtout que c'est très possible qu'on ait des personnes qui arrivent, tu sais, souvent on a du monde qui arrive un peu après. Donc ça peut permettre, comme ça, même ceux qui arrivent après, s'ils n'ont pas fait entrer dedans, c'est pas grave. Ils pourront, complètement. Ils auront le début. Trop bien. Ça, c'est cool. Je vais me prendre un petit chewing-gum. Est-ce que tu veux un chewing-gum? Non, merci. Là. Alors je vais un peu. Du coup, on commence sans les enfants, ça ou. Non, je peux faire venir quand vous voulez. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que pour les enfants, parce qu'on va pas réussir, je pense, à les maintenir cool du début à la fin. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient là pour le petit dessin ou est-ce que tu penses que c'est mieux qu'ils soient là pour. Enfin, pour le début ou. Mais vu qu'on sait pas trop sur quoi on va partir, on peut attendre un tout petit ouais. peu. Ok, super. Comme ça, une fois qu'on peut se lancer, on peut les appeler comme ça. Quand ils viennent, ils peuvent dessiner. Bonne idée. Quelle organisation. coucou Karine. Je dis coucou à tout le monde. Vous avez vu hein, comment on est super assorti? Oh, maintenant ça se voit plus. Enfin, si vous nous voyez encore à la petite caméra. Non, ah, non, ouais. Chez moi, ça grésille un peu le son. Mais on entend tout de même. Ah, écoutez, voir ce qui se passe. Ah, bah attends, c'est ça. En général, mon téléphone à côté. D'accord. Tu peux être sûr que c'est ça. Je vais le mettre ailleurs. C'est des fréquences. Alors. Je pense que ça. Ça, on peut pas vraiment faire. On a personne sur Facebook. Vous nous mettez un petit message, toutes les personnes qui sont là. S'il y a des choses que vous avez envie de dessiner. Alors, est-ce qu'il y a des choses... dites-nous. Hier, j'ai demandé ce qu'ils voulaient dessiner. Ouais. Et pendant je sais pas combien de temps, tu sais, j'avais pas de réponse. Puis d'un seul coup, j'ai... C'est arrivé tout en masse. Il fallait faire le tri. Oh, regarde, je vais te montrer ce qu'on a fait hier soir. Oui. Ça va peut-être me... Non, mais je peux te montrer un peu tout ce qu'on a fait d'ailleurs, puisque quasiment tous les dessins là-dedans, c'est des trucs qu'on a fait ensemble. Pas celui-là. Pas celui-là. Celui-là, oui, on l'avait fait en cours de dessin. Celui-là, c'était à partir de mercredi Adams. Ah ouais. Celui-ci aussi. On connaît bien, de toute façon. Ça c'était tout ça c'était des trucs perso, ça c'était ensemble, ça c'était perso, ça c'était ensemble aussi. Alors t'en as où ça c'était moi toute seule. C'est sympa aussi avec le trait un peu fort comme ça là. Ouais, ouais, bah, j'aime bien des fois faire au stylo aussi, je le fais très rarement, c'est vrai que je le fais pas souvent. Ça donne toujours beaucoup de relief, je trouve. Ouais. J'aime bien. J'avais tout un petit carnet avec que des trucs au bic. Celui-ci aussi. Ah, j'ai rajouté un. Celui-ci, non, je crois pas.
non plus. Ça, on l'avait fait ensemble. Ah, bah, c'est là où on était parti en vrille avec Stitch et tout. Ah oui. Si, on l'avait fait ensemble. Mais tu vois, c'est rigolo parce qu'en fait, je prends un peu toutes les idées de tout le monde et en fait, je fais des mix. Ouais, ouais. Ça fait des choses que je ferais jamais. Ça, c'est bien, ça sort de la zone de confort. Oui, c'est ça. En fait, alors il y a des fois, je galère, du coup, les gens, ils ont un peu du mal à me suivre parce que. Mais oui, oui, quand tu sais pas parce trop. Parce que du coup, tu as... ah, attendez. Bon, je rattrape, ici, c'est un peu vide, après, je passe un truc, je sais plus quelle tête elle machin, ça serait faire une petite recherche. Internet. Tu aussi, je crois que c'était ensemble. Mais tu vois, j'aime ça, ça, même si je m'en rappelle plus, c'était un live. Ça, c'était des dessins qu'on avait fait où, en fait, les gens ne voyaient pas l'image. Je disais ce qu'ils devaient faire. Ah oui. Et à la fin, on découvrait voilà, ce que j'avais fait, ce qu'eux avaient fait. Ça aussi, c'était un dessin ensemble. Ça aussi. Ah bah oui, là, là elle voulait une petite égyptienne, la petite. Tu vois aussi, on l'avait fait en live, j'aime bien celui-là. Ouais. J'avais mis en couleur. Un joli mouvement. Un petit froid. Mais non, c'est qu'on en a fait beaucoup quand je regarde. Enfin, on va accélérer le pas. Tu vois, je l'adore aussi. Yep. En live. Je me dis que déjà, tu vois, on pourrait se faire un petit sol un peu en 3D. Un petit sol en 3D. Ah oui, moi, il y a pas de perspective. Souvent 2D. Ouais. Ouais. On pourrait essayer ça. Ah bah pourquoi pas. Oui, c'est vrai que tout ce que je fais, c'est toujours... oui, c'est toujours... Mais c'est normal, hein. On a ce petit réflexe-là. Bah, un peu joli, ouais. Celui-là aussi. Ça, c'était hier soir, du coup. Ah, chouette. Mais là, par exemple, il ne savait pas du tout ce que je faisais. Quoi? Les gens suivent. Eh ben oui, forcément. Alors, est-ce qu'on a eu des petits... Ah, Claire, elle dit, si, Yannou, ça fait plaisir que tu sois là. Zazabelle dit, un chat. Namalou dit, un petit oiseau. Enfin, l'endormi. Un caméléon endormi. Enfin, l'endormi est un caméléon. Il n'est pas endormi, MDR. Dur, dur, a priori. Un petit oiseau. Hier soir, j'ai fait une sorte d'oiseau. C'est trop beau, alors l'éléphant, j'adore. Merci, Namalou. Un petit coucou de passage pour mettre mon pouce. Je regarderai en replay. J'emmène ma chienne faire son électrocardiogramme pour son souffle au cœur. Bon dessin à tout le monde, merci. Oui, c'est plus en 2D en général, dit Stéphanie. Et Zazabelle a dit un chat ou un caméléon. Un chat en face d'un caméléon. Voilà un peu les retours qu'on a. Mais ça, ouais, ça peut être intéressant. Mais histoire de varier, je ferais bien un petit oiseau. Attends, mais c'est mon dessin qu'on voit, il faut que ce soit celui-là. Non, t'inquiète pas, je vais... Oui. Ah, non, mais là, je suis vraiment plus... je suis en train de chercher un peu pour voir. Claire dit un lézard pour ma fille. Non, mais de toute façon, je vais faire ça sur un papier. Comme ça, je prendrai moins de place. Bah, tu prends la place que t'as besoin. Attends, je vais tenir la nappe, parce que sinon, ça va faire des plis, ça va pas être agréable. Un petit cochon maintenant. Après tu fais le choix parmi toutes les propositions. Je pense que je vais partir sur l'oiseau. Je suis en train de tester un petit peu, voir comment je pourrais le faire. Il y a plusieurs trucs que j'aimerais bien utiliser. Un peu de perspective et peut-être un peu de profondeur, tu vois, en jouant sur un truc un peu comme ça. Ah ouais. C'est assez simple à faire. Et je me dis que si on se fait l'oiseau en premier plan, il y a peut-être moyen qu'après je glisse des arbres un peu plus loin autour. Arbre. Ancien moyen. Ouais. Un truc un peu dans cet esprit-là. Mmh. Bon, bah allez, on va essayer de se faire ça. Du coup, tu dessines sur du A5. Des fois, c'est un poil plus grand, tu vois, parce que j'ai des feuilles qui sont un peu plus grandes que du A4 et je découpe en deux. D'accord. Oui,
En fait, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide à faire. Il y a moins d'ancrage, il y a moins de... Du coup, je vais aller chercher une petite feuille aussi. Ah, oui. Tiens. Ah bah merci. Voilà. C'est toi qui fournis le papier, du coup. Eh ben ouais, on va essayer ça. Donc, moi je commencerai par un petit truc comme ça. On va se mettre une ligne d'horizon. Je vais appuyer un petit peu fort pour qu'on y voit quand même. Bah, on voit t'inquiète, bien. T'inquiète, c'est bon, on voit. J'ai pas obligé d'appuyer. Tu me dis, hein. Ouais, ouais, mais bon, on peut. On peut adapter. Donc là, il est assez haut le trait. Ouais. Et ensuite, on fait un autre qui coupe en deux. Voilà. Jusque-là, facile. On commence pas par. Ensuite. Je fais des diagonales. Ah bah Stéphanie, c'est toi Stéphanie qui fait de... Je crois que c'est Stéphanie justement qui travaille souvent en... Enfin, elle bosse dans le... Dans le... Stéphanie, redis-moi, c'est toi qui fait architecture ou je sais plus et... Parce qu'à un moment justement, à chaque fois, elle faisait toujours elle plus de... Elle arrivait à plus faire de profondeur. Les... Ouais. Moi, je ne peux. Tu vois, là, après, à chaque fois, je vais les écarter un petit peu plus en descendant. Comme ça me permet de me délimiter un petit peu un sol. Et puis, okay. Même si là, il ne va pas être sur le sol, je sais que ça va quand même m'orienter un petit peu à ma manière de dessiner. Ça marche. Vaguement, ça va être ma branche. On va y venir, notre espèce de rond. Je vais plutôt essayer de le travailler en... Un petit peu en volume. Le premier, c'est vraiment pour placer. Et puis après, j'essaie de trouver un peu une forme de corps. Donc je pense que c'est plutôt le côté un peu arrondi, tu vois, qui devrait être pas mal. T'as la branche. Stéphanie, je suis architecte des... Je travaille pas dans ça. Je travaille plus du tout maintenant. Et je travaille plus maintenant. Oui, mais du coup, je sais que du coup, c'était toi, j'étais pas sûre à 100%, mais c'était bien toi qui nous faisais des 3D trop canon à chaque fois. Tu le fais plus d'ailleurs maintenant. Bon, on fait beaucoup, faut dire, on fait beaucoup de... Elle dit par contre, je ne vois pas les traits de Remingo. Je vais peut-être baisser... Ah bah non, ça va te gêner après, si je baisse la caméra. Je baisse pas. Pas laisser beaucoup plus, ça sera. Mais non, je les accentue depuis que ça va mieux. Ça va un peu mieux là ? J'ai déjà travaillé. Ah, d'accord. On n'arrête pas d'avoir des. Sur Facebook, ça enchaîne les messages de Mamadou, machin, récupère ton mari. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ? C'est une espèce de pub Ou c'est du troll hein. C'est des brouteurs. Ah ouais. Non, des brouteurs. Oui, je sais pas pourquoi. Là, j'essaie de glisser dans cette petite tête. Alors, est-ce qu'il peut se caler l'aile aussi ? Okay. Oui, parce que là, il va être vu en plongée. On va un petit peu. Très légèrement, mais un petit peu. Ce ne sera pas forcément beaucoup, mais... J'essaie de bien me les visualiser, tu vois, mes formes en 3D. Oui. Ça va vraiment m'aider après pour positionner tous mes autres traits, là, tu vois. Je vais pouvoir les mettre des bonnes petites joues. Où je vais lui mettre la tête. Je sais pas si je le fais nous regarder. Non, non, j'ai mis... Peut-être plutôt la tête par là, regarder comme ça. Ouais, je pense que ce sera mieux. C'est rigolo, ouais. Ce moment où t'as les petits détails dessus qui commencent à apparaître. Ouais. La Malou a dit un canard. C'est un oisillon,
on va dire. Delphine demande si on peut zoomer. Oui, ça y est. Je fais au moins fatigant car même dessiner m'épuise beaucoup. Ah d'accord. Oh là, ma pauvre Stéphanie. C'est pas cool. Non, Manu, elle se demande si c'est un canard, c'est ça? Je crois que ça va être un petit oiseau, tu vas voir, il y a un petit bec oui. pointu. Ouais, je vais un peu vite peut-être. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on te laisse mettre tes traits, puis après tu nous... Guide. Tu nous guideras. Là, il y a le petit trait comme ça. Ouais. Voilà, je me rajoute un petit peu de volume, j'ai envie de lui donner un côté un peu dodu. Donc par exemple, là j'ai deux traits ici. Un qui fait mon cou et puis l'autre. Et donc, tu vois, dans la continuité, j'essaie vraiment... d'avoir ma petite bosse ici, ce qui va renforcer le côté un peu douillet. Petit oiseau douillet. Oui, celui de l'hiver, tu vois. Ils sont tout ronds. C'est des petites, c'est oui, des petites c'est boules, vrai. Ils sont tout mignons l'hiver. Enfin, ils sont mignons quand même le reste du temps, mais le reste de l'année aussi. Mais... Il y a vraiment ce petit côté. Du coup, le corps arrive à peu près au niveau de l'œil. Enfin, le corps du haut, là. C'est ça. Voilà, j'ai mon œil. Oui. C'est à peu près. Ouais. Là, mais en fait, tu pourrais même quand il est dehors, il faudrait qu'il ait son écharpe en vrai. Tu sais où elle est son écharpe? Plume toute mouillée. Pourquoi tu dis plume mouillée? C'est l'hiver, du coup, quand il... Ah oui, c'est quand il pleut, en fait, ils se mettent ouais, en... Ouais, qu'ils paraissent plus dodus. Ouais, ils se mettent en boule pour éviter... Ouais, moi, je pensais plus aux petites réserves de l'hiver. Mais bon, au départ, ça fait des espèces de petites bulles, des petites boules. Même quand il fait froid, oui. Là, je l'aurais mis dans les... Je l'aurais mis vachement, tu sais, les boules, là, justement, avec les graines. Dans oui. les arbres, là. Il est défoncé. En fait, c'est bizarre. Ouais. Pendant un bout de temps, ils y touchaient pas. Et d'un seul coup, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils mettaient un temps à les trouver? Je suis alors là. Et d'un seul coup, ils te les défonçaient. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est pour certains? Est-ce que... Ça, c'est mon téléphone. Tu veux peut-être décrocher? Non. Du coup, tu donnes toujours des cours aux enfants là? Ouais. Ça te plaît? Oui, j'aime bien. J'aime bien parce que ça me donne déjà un peu de temps pour dessiner pour moi. Pas beaucoup, mais un petit peu. Au moment où tu es avec eux, tu dessines des fois, ouais, ça dépend le nombre de personnes. Là, mon aile me dérange un peu, je crois que je vais la déplacer. Tu vois, parce que là, ici, je vois pas comment ça jointe entre la tête qui passe au-dessus et l'aile. Ouais. Je pense que c'est une erreur. Sortez les gommes. Il n'y a pas que moi qui se gomme. Stéphanie, t'es retournée aux urgences ce matin. Ouais, c'est Sam qui y est allé. A priori, c'est parce que son doigt était irrité.
Donc ils ont refait le bandage, ils ont, je sais plus ce qu'ils ont mis d'autre. Ils ont mis une compresse, ils ont rajouté une compresse à un endroit pour éviter que ça se que la partie collante soit directement collée sur toi. Un petit peu. Un peu plus bas. J'en sais rien. Plus reculé. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Et j'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Ouais, tu crois pas que c'est le corps qui est trop par là? En vrai, moi j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit un peu plus comme ça. Décalé par là? Ouais. C'est plutôt ça, moi, que j'aurais dit. Moi, ça renforce le petit côté mignon. Regardez ma petite croix, ils sont... On est quand même... Pour les gens qui font, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps là-dessus, parce que notre positionnement, nos proportions, une fois qu'elles sont faites, on va plus y retoucher. Ouais, clairement, on y a gagné. Ouais. Son petit coup de gomme, là. Et je me demande même si je vais pas voilà. C'est ça comme ça, je vais même réduire un peu plus son corps. On va jouer le côté mignon à fond. Ouais, souvent les tout petits corps ça marche. Ouais. Take away. Ça accentue le côté mignon. Salut je te trouvais. Dessin Sabrina. Coucou Sabrina. Je suppose que tu t'appelles Sabrina. On est avec Remingo aujourd'hui et c'est lui qui nous fait un petit cours de dessin. Il nous a montré un peu on a commencé par les perspectives. On a placé le trait au milieu, le trait le mince, comment ça s'appelle ce trait là? La ligne d'horizon. Merci. Et là, on est en train de faire un petit oiseau trop mignon. S'il a plus mal, tant mieux. Non, il a dit, il est revenu, il disait qu'il avait plus mal. Mais a priori, ce qui est cool, c'est que la radio est nickel. Parce que moi, j'étais à waouh. Ça fait une semaine qu'il nous disait qu'il avait mal. J'étais à ça se trouve, ça va s'être empiré. L'eau, c'est en train de se remettre de travers. Non, mais faut surveiller. Hein. Bah ouais. Tu sais, les urgences, là, il a repassé 3 heures. Et il n'y avait personne. Je sais bien. Et quand il est parti, ce que j'avais dit à Sam, hier soir, je fais bon, il faut vraiment y aller tôt demain. C'est obligé un peu à se lever, mais il fallait y aller de bonne heure. Je me suis dit que de bonne heure, on aurait moins de monde qu'un peu plus tard. Ouais, et alors? Et effectivement, quand il est parti, c'était a priori blindé. C'est ça, ils te l'ont dit? Non, juste que j'ai vu que quand je suis arrivé, les salles d'attente étaient vides. Quand je suis reparti, les salles d'attente, il y avait 4-5% de personnes par salle d'attente, quoi. Donc, Ouais. Plus les box derrière qui sont remplis. Et puis oui, il y a une dame qui on arrive aux urgences et à qui on prévenait que ça va être un peu long. Donc là, t'es content d'être arrivé à... Ouais. Non, c'est... Ouais. Si on peut éviter les urgences. Ben oui. Faut pas toujours éviter. Mais c'est très compliqué. Je sais pour en premier, hein. Une amie qui est médecin urgentiste. Ah, mais elle m'a déjà dit, ça faisait longtemps qu'elle voulait arrêter parce qu'elle a l'impression de plus bien faire son travail. Ouais. Et je crois pas que ça soit réellement arrangé. Ouais. C'est du travail à la chaîne. Ouais, et puis bon, t'es même. Tu as l'impression de pas bien faire ton travail, que t'as pas le temps de t'occuper correctement des gens. Il y a Anne qui dit. Bonjour, j'arrive seulement trop tard pour rattraper. Non, pas du tout. On va se prendre notre temps, ouais. Ça avance doucement, donc... C'est ce qu'il disait, Remingo, on a... Tu peux tout à fait rattraper.
Regarde, si je te montre le mien, je n'en suis que là, regarde. Tu peux montrer le tien, en fait. Hop. Ah ouais. Oh. Tu vois, en fait, je regarde au fur et à mesure et voilà. Donc t'inquiète pas, tu peux tout à fait rattraper. Ouais, parce que je suis encore en train de faire des tests. On est encore en phase de recherche, donc il n'y a pas de souci. On pourrait faire un petit récap. Quand tu seras sûr de ce que tu as fait. Reste, ouais. Exactement. Voilà. On avait un petit problème de proportion. Ah mince, il y a quelqu'un qui s'est figé. Ah. C'est figé. Donc tu fais deux axes ou trois au départ? Ah, je vous remonte vite fait pour les axes de départ. Donc, votre ligne d'horizon, vous pouvez la placer aussi que vous voulez. Elle est en général, la ligne d'horizon, elle est à hauteur de regard. Vous pouvez vous en rendre compte si vous regardez par votre fenêtre. J'en sais rien, vous fixez le toit de la maison d'en face. La fenêtre, c'est le cadre. Et si vous vous levez, vous descendez, vous allez voir que le toit va bouger, la hauteur du toit par rapport à la fenêtre. Mmh. Mais c'est et vrai ça, en fait, c'est les histoires de ligne d'horizon. Donc pour faire simple, si vous la mettez très haut comme on est parti à faire, on va vraiment surplomber en fait. Ça va nous donner l'impression qu'on est au-dessus. Et donc, ligne d'horizon, vous redécoupez en deux. Une première diagonale, une deuxième diagonale. Et après, on fait des lignes qui vont être parallèles à notre ligne d'horizon, mais elles vont s'agrandir. Enfin, l'écart entre elles va s'élargir plus vous descendez. Donc ça, forcément, on aura un point de vue qui sera très haut. Donc vous pourrez imaginer, hop. C'est rien, je vais vous mettre des petits carrés, c'est des petites maisons. Et on n'y comprend rien. Mais en gros, vous voyez un peu l'idée. Et si je mets ma ligne d'horizon assez bas, forcément, on va avoir un rendu qui sera peut-être un petit peu plus comme ça. Si je dois faire voir mes maisons, magnifique maison carrée. Mais en gros, voilà pour la ligne d'horizon. En fonction du rendu que vous voulez. Donc là, si je veux un côté mignon, bah, je vais plutôt choisir une plongée. Parce que comme ça, on va paraître au-dessus et la créature va paraître plus mignonne. Eh oui. Si je veux rendre quelque chose d'imposant, je vais plutôt utiliser la contre-plongée pour qu'elle domine visuellement. Hop. Alors, ouais, là, c'est gros tronc. C'est vrai que moi qui fais toute face, au moins la question se pose pas. Oui, bah c'est, en fait, il y a des trucs où c'est pas du tout gênant. Pour le côté illustration, c'est pas gênant, tu vois. Par contre, pour de la bande dessinée, c'est beaucoup de la mise en scène. Et oui. Donc, il faut beaucoup jouer sur les mouvements de caméra. Enfin, mouvement de caméra, pas mouvement, mais cadrage. C'est aussi ça qui va faire que tu vas avoir du mouvement. Parce qu'en fait, si tu es de face dans toutes les cases, je suppose ouais. que... Mais c'est plus difficile. Ouais. La BD franco-belge à l'ancienne, c'était un petit peu ça. Ah ouais? Vraiment l'ancienne, hein, plutôt les petits strips ou des choses un petit peu courtes, c'était souvent comme ça, un peu en 2D, quoi. Parce que c'est déjà plus facile, t'as pas besoin de te faire la perspective oui. pour le moindre truc. Donc, je pense qu'il y a ce côté économique. Bon. Jean-Jacques qui me dit bonjour tout le monde, pour une fois que je peux voir le live. C'est trop bien. En live. Bonjour Jean-Jacques. C'est la première fois. C'est la première fois que je te vois, Jean-Jacques. Je me rappelle pas, en tout cas, je me rappelle pas avoir déjà vu ce prénom passer. Tu dessines avec nous, du coup? On est en train de faire un petit oiseau mignon dans un décor en 3D. En 3D. Oui. C'est bon.
peut-être que je mette quand même un peu de feuillage. Hein. Sinon, ça peut-être faire un peu. C'est marrant parce que tu sais, je repensais à toi. Je me souviens quand tu as fait le chat, tu disais oui, les yeux, c'est vraiment le truc que je fais en dernier parce que c'est Surtout les détails. que tu le fasses en début. Ouais, mais En fait, en c'est fait, je me suis rendu beaucoup les compte que détails. même les détails, moi, c'est le contraire. Je sais. Enfin, pardon. Je sais. Okay. Non, mais c'est. Pardon, c'est très commun comme manière de faire. Ouais. Parce qu'en fait, si c'est vraiment le fait d'avoir mes traits, mes yeux et tout ça qui vont faire que je vais réussir à visualiser derrière et. Mais ça peut jouer, en fait, tu vois, sur tes yeux, Ouais. le cil, t'es peut-être pas obligé de le mettre. Les côtés brillants, peut-être pas tout de suite aussi. Remarque, je l'ai foutu aussi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, j'essaie de rentrer minimum dans les détails. Ouais. Avant de commencer à rajouter des petits effets de brillant ou de trucs, je vais essayer de vraiment voir si mon œil il est bien calé. Si Ouais, j'ai un j'avoue. joli relief, si j'ai tout. Tu Ouais, vois? c'est vrai. Mais Et là, tu après, dès vois. que c'est bon. Là, tu peux rajouter du détail et ton truc, il explose, quoi. Ouais, mais il y a un côté où là, c'est parce que je l'ai un peu plus affiné que je trouve que ça va pas. Ah oui. Mais des fois, ça peut ré révéler des choses aussi. Oui. Mais si avec un minimum de traits, ton dessin, il rend bien, c'est bon, Oui, c'est alors gagné. peut-être que j'aurais dû le voir tout à l'heure que ça ne le faisait pas. Avant de faire les Ah ouais, mais détails. bon, oui. Bah, t'as vu, ça a été ça un peu sur le corps. On a remodifié son petit corps. Oui. Il y avait un truc qui fonctionnait pas très bien. Donc des fois, faut pas hésiter, reprendre un petit peu de temps. En fait, ben, tout dépend sur quoi on est parti, quoi. Si on n'a vraiment pas de temps, que tu fais un petit dessin en 10-15 minutes, bon, ben, tu te prends pas la tête, Oui, c'est tu sûr. fais. Mais on peut se prendre un petit peu plus de temps. Comme ça, moi je gratte un petit peu, je vais sortir le reste. Et puis, comme ça, on peut prendre le temps aussi sur le tien de voir les étapes, quoi. Ah oui. Tu vois, regarde, ben, on va en profiter. Hop. Juste tant qu'on est là-dessus. Voilà. Tu vois, le tien est encore légèrement en 2D. Eh oui. On sent pas la plongée dessus. Tu vois? Et alors, ça va pas jouer à grand-chose, hein? Je pense juste ce trait-là, là. Le dos. Tu vois? S'il arrive un petit peu plus haut, je pense que on va un peu plus le voir. Je vais essayer de te faire une petite version comme ça. On va dire que ça, c'est son corps. Oui, D'accord? tout à fait. Si je mets cette tête au-dessus, on est en 2D. Si je commence à la descendre ici, tu vois, bien par-dessus, je vais même l'exagérer beaucoup. Je pourrais même lui faire son petit bec par là, là. Genre qu'il lève la tête. Et là, on va encore plus le sentir, tu vois, qu'on est vraiment au-dessus. Eh oui. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je me suis fait avoir par le fait que. Mais oui, et puis d'ailleurs, je me rends compte que mon trait, j'ai fait comme ça. Alors que, en fait, il faut qu'il soit comme ça. Ça pourrait. Il pourrait être légèrement. En fait, ça dépend comment il va tourner la tête aussi. Oui. C'est sans fin. Oui, Il n'y a pas une règle absolue qui fait que ça devient facile. mais ce que je veux dire, c'est que du coup, t'as plus la Oui. notion de volume. Tu vois? Et on va se rendre compte qu'effectivement, ah, soit celui-là, enfin celui-là sera peut-être un peu plus descendu ou. Effectivement, je fais un petit peu plus là et. T'as fait le deuxième. Et tu vois, je les ai même agrandis très légèrement, comme si. Ouais. Mon trait s'écarter. Ça va même me rajouter un tout petit peu de perspective. Et tu vois, c'est pareil, je trouve que mon front, il a l'air plus bas que le tien. Ouais, c'est possible. Le haut de la tête, là. Ouais. Après ça, j'en sais rien. Est-ce que ça joue aussi dessus? Je sais pas. Bah, j'ai l'impression, Ouais, oui. certainement.
Certainement, ben oui, puisqu'on regarde un peu plus au-dessus, on est censé voir un petit peu plus de crâne. Tu vois, un peu moins en dessous. Ouais, oui. Mais c'est un peu galère, c'est vrai que je les embête avec ça en ce moment. Les élèves, essayer de faire un peu en 3D. Voilà. Essayer de. Mais c'est compliqué au départ, quoi. Ouais. Mais c'est un bon exercice, faut essayer de se. C'est la différence entre le rond et la sphère. Ça fait. Essayer que chaque truc, on essaie de se les visualiser en 3D. Enfin, du moins avec du volume, quoi. Tu peux demander à Sam la perspective. À quel point c'est mon truc. Mais ça, j'aime. Ah bon, peut-être une prochaine fois. Je t'allais dire quoi? J'ai un petit j'ai trouvé un petit modèle sur un truc, sur une méthode japonaise. Ouais. Et c'est vraiment pas mal. T'as un personnage au centre et tu as plein d'espèces de cubes comme si le décor se décomposait, tu vois. Ah. Mais c'est de la 3D basique avec un point de fuite. Et si c'est pas parfait, on s'en fiche, tu vois. Oui. Vu que les trucs, ils sont en train de flotter, ouais. Ah, ouais, et okay. T'es en train de se désagréger, donc ça peut... Ah, je me suis dit sympa, que ça, c'était ça. Vraiment bien pour se faire la main. Parce que si on commence directement avec une pièce en 3D, chaque truc, c'est... Ah ouais, c'est du coup, c'est... Enfin, tu commences direct par un truc fastidieux et... C'est ça, tu risques de te décourager et te dire, bon, ben, ok, la perspective, c'est pas pour moi. Alors que... elle a su faire... Oui, fut à l'école, elle a bossé. Fut un temps. Je me doute. Mais des fois, il y a des choses comme ça où on est moins à l'aise. Et on perd très vite aussi. Ou en plus, on peut avoir un peu d'anxiété sur certaines choses. Et puis, du coup, ouais, y aller avec un petit peu moins d'entrain. Ouais, c'est ça. C'est que j'aime moins. Enfin, tu vois, c'est un truc qui me... Je voulais faire un corps encore plus mini que le tien. Ben oui, si tu veux. Et tu crois que ce serait possible de faire l'aile... Un petit peu différemment, genre... Pourquoi pas? Enfin, je sais pas, c'est que j'ai envie que l'aile, elle soit... Elle parte légèrement devant? Elle soit un peu... Ouais. Mais j'aime bien comme ça. Après, un peu moins le côté posé. Mais... Je sais que je voulais un truc, ouais. Un truc c'est presque un peu plus humanoïde, tu vois? Ça donne un petit côté alors bras. Moi, c'est vrai que je... Mais c'est sympa aussi. Des côtés un peu... Bon, là... Mais il est comme t'as envie, hein. C'est ou même toute mini, ou sinon toute mini, comme ça. Ça fait peut-être un peu plus pingouin. Je sais pas. Je l'ai fait mini comme ça. Ça marche, tu crois? Si je fais comme ça? Non, ouais, écoute, ça le fait. Non, carrément. Même retravailler un peu ma courbe. Ils sont sur le côté. Non, ils jouent bien. On va les laisser en vrai. Non, mais c'est quand j'entends plus, je me méfie. Ouais. Ils sont en train de faire une bêtise. Ouais, il suffit qu'on ait quelqu'un à la maison et hop, ça va mieux. Oh, je te jure, ça faisait tellement longtemps, ça avait pas été compliqué comme ça avec lui. Après, je me dis, il y a peut-être l'excitation du voyage demain, on part en train. Ah! Partez où? On va chez ma... Mes connaissances. Oh, t'inquiète! On raconte toute notre vie. Hein. Ouais. Okay. On va chez ma grande sœur. Parce qu'on a plus de... En fait, notre voiture nous a lâchés et on a pris la décision de vivre sans voiture. Ouais. Alors, on fait le test. Heureusement, on a les parents de Sam qui sont pas loin parce que aller aux urgences en bus... Déjà que t'attends 3 heures, tu vois, l'autre fois, je l'ai amené à 20 heures aux urgences. Quand tu sors à 22 heures, c'est un peu plus dur déjà de trouver des bus. Ah, ben oui. Donc, bon, on a quand même les beaux-parents pour nous dépanner. Et là, ça va être notre premier voyage un peu plus grand. On va voir comment. Et du coup, vous empruntez... Ah non, vous partez en train. Du coup, on part en train. Non, le but, c'est vraiment de vivre sans voiture. Disons qu'on a une solution de secours pour les grosses galères. Ouais. Mais on va tenter. Bah, c'est rassurant. Oui, c'est clair. En fait, je me dis, tu vois, ça, c'est pareil, tout le monde a sa voiture. Bon, alors, après, quand tu bosses, t'as pas le choix, mais
Hein, quand tu bosses à l'extérieur. Où, hein. Mais voilà, oui, c'est mais ça. C'est que temps, je suis sûre que tu as des gens qui sont en ville et qui prennent quand même leur voiture, alors que ça pourrait se faire. Ça pourrait se réduire. Voilà. Et puis, c'est ce que je disais. Il y a plein qui n'ont pas vraiment le choix. S'il n'y avait pas la possibilité que tout le monde ait sa voiture, et ben en fait, les transports seraient plus développés aussi. Parce que plus de monde aurait besoin de transports. Enfin, je sais pas. Bonne question. Mais dans un monde idéal, il n'y aurait plus de voiture. La fille problème, c'est que c'est souvent le serpent qui se mord la queue. Ah ouais. Moi, je vois des fois, quand je vais chez ma chérie, je prends le bus. Et il y en a très très peu. Tu dois en avoir deux par jour. Oui. Les horaires sont pas terribles. Mm-hmm. Et du coup, bah, tu n'as pas grand monde qui le prend. Et ça fait fermer encore des lignes de... Tu vois, ça fait encore fermer des lignes, donc tu peux avoir des effets comme ça. Et quelqu'un qui voudra abandonner la voiture pour se dire, bon, ben, je vais tenter de prendre le bus. Et oui, c'est mais il n'y a plus aucun horaire qui correspond. Et ben voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je disais. Imagine si la moitié là, de la population se dit, j'arrête d'avoir une voiture. Tous ces gens-là, ils auront besoin du bus que tu prends. Ah oui, c'est sûr. Et donc, ils vont être obligés d'augmenter. Là, si ça a été réduit, c'est parce qu'on est de moins en moins à prendre des transports en commun. Ouais, ouais. C'est mais faut que ça soit anticipé, quoi. J'ai une copine aussi comme ça qui va à la campagne, elle prend le bus. Elle disait, à l'aller, il y a plein de monde. Et au retour, en fait, le problème, c'est que le bus retour, ils sont deux. Donc c'est pareil, tu vois, tu dis, bah oui, il n'y a que deux personnes, donc le bus... Pour un gros bus, c'est bon, ouais. Il marche à vide, quoi. Enfin... Après, c'est sûr que... Pas évident. Roselyne qui dit oh trop beau, je vous rejoins à peine. Coucou Roselyne, tu peux essayer de rattraper si tu veux. On prend vraiment le temps. Il y a Stéphanie qui dit il est déjà venu quelques fois, Jean-Jacques, je crois. Mais par contre, il a. Et Jean-Jacques, tu ne parles plus. Là, il me plaît, mon petit oiseau. J'aime. Ça va? Tu trouves qu'il oui, est vu de dessus? C'est bien. Non, mais c'est vrai, on le sent plus là déjà. Ouais, non, je suis d'accord. Je dis que ça vaut le coup. Ton arbre. J'aime bien comment t'as fait là, le truc ici. Ouais, pour essayer de faire un petit. Voilà, bah super. T'as compris. Merci. Jean-Jacques, t'es pas un de tes élèves des fois? Non, je suis pas bien, je vois. C'est pareil, au niveau du nid, j'aimerais bien faire un truc. Que ce soit pas des herbes, que ce soit pas des feuilles, tu vois, un truc un peu imaginaire. Des petits rubans. Pourquoi pas? Comme ça, après, vraiment, libre à chacun et ce qu'il veut, quoi. Oui, bah c'est ce que souvent, je dis. On c'est ce que je dis souvent, si on a envie de changer une aile, si on a envie de. C'est ce que, une manière de se l'approprier aussi, quoi. C'est rigolo d'avoir les comment oh, c'est horrible. Je cherche tous mes mots. Les visions de chacun. Mais c'était pas ça le mot que je cherchais. C'était. Namalou dit, on dirait qu'il barbote dans l'eau, tiens. Là. J'avoue. Non, là, ça peut. Je suis en train de peaufiner, mais je crois que ma queue est un peu grande. Allez, on
pas trop chipoter non plus. Et tu y as jamais pensé, toi, d'avoir une chaîne comme ça où tu montes des techniques et tout ça? Bah si, déjà pendant le Covid, on va dire. Ouais. Tu l'as fait du coup? Non. Non, bah faute un peu de matériel. Ouais. Après, tu peux... Bon, maintenant, je pourrais, hein, ça va mieux. J'avais même pas de webcam, en fait. Ah. Donc, c'était embêtant, voilà. On a peut-être pu faire du numérique ou quoi. Ah oui, t'avais pas une... Parce que j'allais dire, la webcam, c'est pour te voir toi, mais on n'est pas obligé de te voir, ce qui compte, c'est surtout le dessin. T'avais pas de caméra... Ah non, pas du tout. Ah oui, ok. Pas du tout. Oui, donc là... Donc, c'est un peu embêtant. Donc là, non, maintenant, il y en a une. Je pourrais... je sais. Ouais, ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Parce qu'on a une chaîne en plus Twitch de l'école du crayon de bois. Ah. Parce que c'est vrai que ça peut... Et on se disait que, voilà, on pourrait peut-être... Je voudrais en faire une pour de la colo numérique, en fait. Pour donner des petites bases en colo numérique. Mmh. Parce que justement, il y avait une élève qui avait une tablette comme ça. Et c'est vrai que c'est bien de donner... T'as pas mal de... J'ai une petite technique pour colorier, pour coloriser rapidement. Tu vois, avoir un bon rendu au numérique sans... Sans y passer trop de temps et sans avoir besoin d'être trop balèze. Je pense que tu vois, genre ça plairait beaucoup. Et puis après, oui, on pourrait faire des trucs à thème. Bah, justement. Il y a tout le monde, il y a Stéphanie qui dit Pleur récemment, le retour. Bon, c'est beaucoup rapide parce que dans ce jour, les copines arrivent, c'est la fête d'anniversaire de Fleur. Mmh. Ah, excellent, bah, bon anniversaire à Fleur. Je pense qu'il est trop mignon ce pupu. Du coup, vous avez fait un peu Rosine et Florence? Ah, j'avais pas vu, c'est bien, tu lui as fait mettre son écharpe là, à Ellie. Tu veux mettre ton... Est-ce que tu veux mettre non, ton... Non, 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 il est très bien, il va écrire pas l'eau. C'est plus pour la remontée, je me dis, ah, j'espère qu'il pleuvra plus. On a des impairs, si tu veux. Bon, ça a l'air d'être... Regarde, Tim. C'est hyper fin, là. On entend bien parce qu'on est sous la véranda, mais... Oui. Mais là, c'est comme si tu sentais rien. On y croit, tu vas repartir sous le soleil. La pensée... J'adore, moi, faire du dessin en discutant. Ouais. Ou même colorier en discutant. Carrément. Toi aussi, t'aimes bien? Ouais. Je trouve que c'est... Ça détend vachement. Oui, ça enlève un peu, une petite pression qu'on pourrait se mettre en plus sur le dessin. Ouais, c'est ça. Ça permet un certain lâcher-prise, je trouve, de discuter. Une partie de la concentration qui est plus dans le dessin. Et... C'est pas plus mal. Non mais c'est vrai, hein. Laisser un peu plus les choses au naturel. Ah oui, t'as déjà fait tous les arbres. Ouah, je suis la bourre. Alors ça c'est pas grave. On va pouvoir se prendre un petit peu de temps. T'as fini ta branche de devant? Ouais, ma branche de devant est faite. Donc les deux premiers là, je suis parti à les faire très très proches. Ça va juste être une branche. Ah oui. Tu vois, mon tronc est là, et ça va être l'arbre aussi. C'est vraiment du premier plan, et on ouais, va pas voir c'est de du bas. Premier plan.
Donc sur la forme générale, juste que ça se réduise quand ça monte. Et puis après, toujours un peu dans la même lignée, tu vois, du côté 3D. Pour que ça se réduise quand ça monte? Ouais, toujours. Ah oui, branches, d'accord. Ok, oui, le tronc va se réduire, chaque branche elle se réduit à chaque fois que ça monte un peu, tu vois. Ah oui, non, c'est pas l'arbre, c'est en l'épaisseur. Général. C'est l'épaisseur des branches. Pardon. Ok. C'est pas clair. Et là, après, tu vois, j'aime bien arrondir ici. Commencer à mettre quelques nœuds comme ça. C'est chouette à dessiner des arbres. J'aime bien. Ouais, je peux filmer ma branche en même temps. Regarde, il l'a fait super sur la manche. Ah, c'est cool. Il y a Florent qui dit je rentre à peine. Ouais, mais tu sais, on prend vachement notre temps. Donc, si tu veux, tu as le temps d'être avec lui. Ok. Voilà. Pareil pour l'autre. Première branche qui passe par là. Ici, je vais arrondir. Tu vois, j'essaie de vraiment pas avoir un truc droit. Ouais. Pareil pour le côté un peu 3D. Puis là, je peux même faire un espèce de petit bourrelet. Je sais pas comment dire ça. Tu vois. Alors, je vais pas trop sur les détails. On essaiera surtout de faire de la silhouette. Ah oui. Bah en fait, je suppose que c'est pareil, que les premiers doivent être un peu plus détaillés. Oui, et forcément, que voilà. Plus tu vas sur le fond, plus c'est de la silhouette. Oui. Par contre, quand tu vas essayer de les positionner après, c'est là que va vraiment nous servir notre profondeur. Yes. Donc, tu pourrais imaginer. De le refaire un peu par là. Mais comme si, tu vois, visualiser, s'ils étaient posés au sol, tu vois, le fait de faire une espèce de sphère, ça va vachement m'aider si je veux glisser après des racines ou le reste. Ah oui. Tu vois, j'ai vraiment capté. Du coup, je vais faire plus comme ça, mon trait. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses là? Ça va comme ça? Ouais. Bon, ouais, j'en ai mis que 3. T'en as mis 3. Si t'en as envie de faire 4, c'est pas faux. Mais tu peux gagner du temps si t'en mets que 3. Ouais, voilà. Voilà. Et ensuite, donc. Et tu peux partir par où tu veux. Ça va permettre d'y mettre les petites racines. Ouais, tu vois, tout de suite on sent mieux un petit peu le sol. Ouais, c'est. Et c'est beaucoup plus facile à poser. Ça évite de retoucher, tu sais, des fois tu gommes, tu trucs, tu machins, tu fais non, ça va pas, tu comprends pas. Et ouais. Et des fois, c'est juste ce côté-là. Et après, tu fais ton arbre un peu comme. Oui, voilà. Comme il on part. S'en fiche, comme on a envie. J'ai envie de dire presque un peu différent de ce que vous avez déjà fait avant, tu vois. C'est bien qu'il soit courbé dans un sens, enfin voilà, qu'il n'y en ait pas eu deux trop identiques. Oui. Ça donnera un côté un peu plus naturel.
C'est rigolo, je trouve que ça fait un peu publicité. Je sais pas, je vois bien l'oiseau en mode. Vous cherchez le confort? Voici un. Notre nid est ce qu'on fait de mieux dans le marché. Emma, le Éco, ouais. matelas. Un nid éco-responsable. Félix, c'est coucou, le frère en replay. Coucou Ophélie! Oui, c'est vrai que là, c'est quand même très avancé. Ça peut être un peu plus compliqué de rattraper. Ouais, je ne pas de live la semaine prochaine. Oui, vous pourrez le faire la semaine D'abord. prochaine. Tentez de vous y casser un peu les dents. Mais si vous le refaites, prenez vraiment du temps sur le départ. C'est pas grave si. N'avancez pas trop vite dans les détails, juste. Voilà. On a une espèce de petite impression de profondeur. Non, pas comme ça. Je suis en train de le faire dans l'autre sens. Du coup, là, niveau mise en page, je trouve que mon oiseau, j'ai mis trop bas. Oui, ça c'est pas très très grave. Oui, non, c'est pas très très grave. Au final, on l'a cadré comme ça parce qu'on voulait bosser un petit peu de perspective aussi, de profondeur. Et on l'aurait mis plus haut, tu vois, ça nous aurait peut-être embêté pour notre ligne de fuite. Ouais. Parce que oui, clairement, Non, mais sur le tien, ça le fait, je ça fait trouve un peu que... moins. Ouais. C'est vraiment... J'ai envie de te dire le mien aussi, tu vois. En fait, il n'y a rien au centre. Tu Ah vois? oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'après, si on veut. Ah, si on rajoute un papillon ici, regarde. Alors ça pourrait. Mais en fait, moi je me dis que l'emplacement ici, c'est que même si on avait un truc en petit, même si je dessine un petit personnage, Oh, ça rajoute encore plus. on le verrait quand même bien parce que, en fait, son positionnement fait que il va attirer l'œil. Et Tu l'avantage, vois? c'est que bah, ça renforce. Donc je pense que c'est pas mal. Ça On peut se le renforce faire comme le. ça. Ouais. Alors, on va même accentuer notre côté, c'est-à-dire que notre personnage. On va pas se le faire en 2D où il va être comme ça avec le cou. On va se le faire comme ça. Comme si son corps. Oui. Voilà. Pour essayer qu'en fait on voit aussi, qu'on a l'impression de le voir aussi un petit peu au-dessus. Il n'y a peut-être pas besoin d'autant, mais en gros, faut pas qu'on voit le cou ici. Alors peut-être que je pourrais lui faire Faut avec que je des. décale mon arbre. Je pourrais peut-être le faire avec des jumelles. Peut-être imaginer deux petits bras. Je vais mettre mon arbre plus ici. On va avoir plus l'espace sympa pour le petit perso. Elle est tout petit, je sais pas trop quoi il ressemble. Ah, c'est sûr que c'est mini du coup. Ouais. Les jumelles, c'est peut-être un détail en trop. Ouais. On va oublier les jumelles. C'est tellement simple. C'est ça, c'est que là du coup c'est mini mini à dessiner. Ouais. Je sais qu'avant je galérais beaucoup, il fallait que je dessine souvent très très grand. Et maintenant, bah, j'aime bien dessiner petit, ça ne me dérange pas. Oui, c'est... en fait, moi aussi, je dessinais très petit, j'aimais beaucoup. Et c'est Sam qui m'a toujours dit, oh, on peut dessiner grand, t'as plus de détails. Ben ça Ce qui est peut. pas faux. Je te dis, mais j'ai fait le chemin inverse. Je dessinais vraiment très très grand. Mais en bon, c'était même ridicule. Pour une case de BD, il me fallait un A4. Ah Oui. ouais! Ah Tu bah vois, là, notre case, je la faisais sur un A4, c'était compliqué. elle devait être sacrément bien Ah bah travaillée, ça ta devait être BD. long. Non, mais en plus ça posait plein de problèmes parce que rien n'était à l'échelle. Eh oui. Et donc du coup, d'une case à une autre, l'épaisseur de l'encre a changé. Enfin, Ah oui, bah oui, il y a ça c'était aussi. pas une bonne idée.
Il y a Anne qui voudrait voir le nid d'un peu plus près. Lequel? Tu veux que je te montre le mien de nid? Bah oui, ton nid. Bah moi, c'était pas un nid que j'ai fait, moi aussi. Bah si, c'est un nid de luxe, mais... Un nid de luxe. Alors, pour le nid, je vais le mettre là, mais je vais vous montrer aussi. Je vais faire une petite version là. D'un côté. Pardon, je vais tout bouger. Oh, t'inquiète. Je vais tailler mon crayon pour faire le petit bonhomme. J'ai un critérium, si tu veux. Un quoi? Un critérium. Ouais, j'en ai un aussi, mais... Comme ça, c'est toujours fin. Alors, tac, tac, tac. Ah, ben je regarde, c'est super. C'est très pratique. On va voir. Oui, c'est vrai que... Un petit en coup fait, d'œil. C'est toi, presque, pour aller te mettre... Non, non, mais c'est très bien. Je joue un PK. Alors, ça, on va dire que c'est le corps. Attends, je le dessine grand pour être sûr que vous voyez bien. Tac. Le corps de mon oiseau. Pour ce qui va être de ton nid, il faut que tu imagines un espèce de cercle qui va être plus large devant que forcément derrière. Et là, je peux même regonfler un petit peu. Et pour faire les traits, tu peux imaginer comme si c'était un espèce de soleil. Pour les directions. Ce qui fait que... Oh, il est sur une bouée. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Mais c'est ce qu'il faut que vous visualisez en... pour le nid. C'est cette forme-là. Et après, on peut rajouter nos petits bouts de paille. Mais en gros, si ils suivent ces petites lignes-là, je vais vraiment avoir un effet de profondeur. C'est ce qu'on retrouve un petit peu là, là. Ici, elles sont droites. C'est ces petits traits-là qui vont tourner. Et là, c'est la partie un peu plus... je sais pas. Celle qui est en face, là, celle-là. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, le petit bonhomme. Un truc sur lequel vous galérez, on peut trop faire une petite version, Version à côté, voilà, pour redonner les bases, ou au moins des trucs qui pourront vous aider. C'est Son Goku qui est au fond, ça va pas. Là, il commence à avoir des pics partout. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Abonner une écharpe, hop là, c'est une bonne idée ça. Ouais, comme ça l'habille. L'écharpe, c'est très pratique, très souvent. T'en fais, ouais, je sais pas, je trouve que ça aide vachement. T'as pas besoin de réfléchir le coup. Ouais, alors par contre, tu fais pas voir. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, rien de mal. Attention, quelque chose, rien de mal. Fais juste attention parce que tu vois, c'est comme si t'avais le cou là. Ah, c'est ce côté-là où là t'as beau rajouter l'écharpe, t'es encore sur ce format-là. Oui. Tu vois, tu peux l'avoir ici sans souci, mais il faut que qu'on ait quasiment l'absence de cou. Tes bras ils partent d'assez haut. D'accord. Et puis ça va le faire. Merci. Tout à fait. Donc là, l'écharpe comme ça. Et donc, ses bras, ils sont là. Voilà, super. Eh ben oui. Et t'as vu, là, tout de suite, eh ben on oui. sent qu'on le surplombe, il y a plus de profondeur. C'est ça.
ça. Voilà, arrondis bien le bas aussi, parce que forcément, bah, vu qu'on veut du dessus, on va avoir la rondeur un peu du grand. Voilà, super. On l'a, on l'a. Et puis tu vois, d'un seul coup, on n'est plus embêté sur notre canard. Mais ouais. Parce que ce qui est au centre, c'est notre petit personnage. Et du coup, ouais, là, ça gêne plus du tout, parce que celui qui est important, finalement, c'est lui. Ça peut, mais... Enfin, non, c'est lui, il est important quand même. Ce que je veux dire, c'est que son positionnement fait que, malgré sa petite taille, il reste extrêmement bien visible. Oui. Mais, et puis, en fait, il valorise ce personnage, puisqu'il est en train de le découvrir, de le regarder. Ouais. Non, je vais pas m'arrêter après, si je commence à faire ça. Je me dis, tiens, mais je peux prendre des cerfs, tu vois. Enfin, ah, c'est vraiment légèrement plus grand. Mon père, où est Charlie? Bref. Oh, l'angoisse. J'imaginais devoir dessiner un BD à la Où est Charlie. Ah ouais. Oh, oh là là. J'aurais pas la patience. Moi, je l'ai. Non, je ne l'ai pas non plus. Ça, c'est pas, le mec c'est pas possible qui... pour ouais, moi. Les gens qui font ça. Moi, en fait, je crois que c'est parce que j'aime tellement créer. Tu vois, créer un ensemble. Je pense que t'as des gens qui aiment en fait dessiner plein plein de petites choses. Je sais qu'il y en a qui ont qu'on a une patience folle pour ça. Moi, je ne l'ai pas. Mais moi non plus. C'est un qui me dit non, mais il n'y a pas besoin de réfléchir, tu vois. Ils se mettent un peu en mode automatique, et puis tac, remplissage, et ça les détend. Ouais, comme quoi, on a pas tous les mêmes choses qui nous détendent. Ouais, moi, ça. Non, je ne pense pas. C'est vraiment les premières parties, tu vois, les parties un peu créatives, la construction, le truc, c'est... le machin. Ouais, pareil. Après, ben, quand il faut remplir, bon, c'est un peu moins... Ouais. Ben ouais, moi, c'est aussi, c'est la première étape, en fait. Et on met des pareils, tu vois, le storyboard, le scénario, je trouve ça super sympa. Hein. Oui. Même faire les dialogues, après, quand il faut tout refaire, mais c'est long, en fait. Ce qui fait justement, moi, que je suis pas très fan de BD, c'est qu'en fait, tu dois redessiner mais 15 000 fois le même personnage. Ouais. Et ça... Il faut qu'il se ressemble à chaque fois. Mais c'est ça. Tu vois, t'as plus ce côté, ah, je crée un nouveau personnage. C'est... Alors, tu en auras plein d'autres à créer. T'auras beaucoup, beaucoup de choses à créer. Parce que ton personnage, en fonction de là où il va évoluer... Oui. Tu vas avoir des bâtiments. Oui, tu mais vas moi, j'aime pas faire les. Moi, j'aime faire que les. Non, mais. Tu as des trucs à inventer et à créer. T'inquiète pas, il y en aura plein. Oui, c'est ça. Non, en vrai, c'est pour ça que je suis hyper contente de m'être mise au coloriage. Parce qu'en fait, je me crée. Ouais. Ben, je me crée une illustration à chaque fois. Je me prends. Voilà. J'ai pas ce besoin de continuité. Oui, oui. En fait, je me rends compte que je suis pas. Mais moi, je sais que ça m'a fait changer ma méthode de travail. Le fait de faire de la BD ? Ouais. Ah. Mais t'es obligé, en fait. Il faut que ta construction soit impeccable, que ton personnage, il puisse, tu vois, que ce soit le même à chaque fois, que tu sois capable de le reproduire. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. En illustration, c'était pas grave, tu vois. T'as une jolie expression, t'as un truc qui ressort, ok, c'est cool. C'est ça. Mais tu vas pas être obligé de refaire le même personnage sous tous les angles, avec différentes expressions aussi. Mm. Ça complique drôlement la tâche. Ah, il y a Stéphanie qui dit... Cute. Avec arrière-plan d'art bien flippant. Ah eh oui. D'accord. On va y rajouter des petits un peu de feuilles. Et Namalou dit mes arbres à l'arrière sont trop laids, MDR. Ouais. Renaud, que j'ai du mal pour l'arrière. Galère avec l'arrière. Alors, pour les placer ou la forme des arbres? Donc, réponse, oui, bien sûr. Il y a Space Louise qui nous dit bonjour. Coucou. Oh, comment tu nous as découvert? Et puis, c'est curieux qui nous dit coucou Love, Sam, bonjour, Ramingo, coucou, c'est côté du pinceau. Salut, petit écureuil. Il y a du coup Namou qui ne répond pas à ta question, mais qui en pose une autre. est-ce que c'est difficile de faire le même personnage avec des mimiques différentes? Tout dépend du niveau de détail du perso. C'est pour ça qu'il disait qu'il réfléchit bien à son perso avant de... Et Namalou dit que c'est sur la forme des arbres qu'elle a du mal. Ouais. On va essayer de se faire un petit peu. Il a coché le petit poussin et donc Louise te répond j'aime le dessin et je peux le... Du coup, aujourd'hui, c'est un stream particulier parce qu'on a Hemingway en invité. Du coup, il y a les deux points de vue qui switch. C'est
Flamingo qui lead aujourd'hui. On a eu de la chance déjà de l'avoir. Donc, tu te présentes un peu. C'est vrai qu'on t'a pas représenté, mais il y en a peut-être qui vont découvrir cette vidéo-là et qui n'ont pas forcément vu sa Linktober. Enfin, tu veux peut-être expliquer d'abord à... On va peut-être faire ça. Madame Alou, qui est aussi Louise d'ailleurs, mais qui s'est une Louise d'ailleurs. C'est marrant. Okay. Bref, bon, ça va pas. Je compte vite fait pour les arbres. Donc, une fois que tu as ta petite ligne, ce qu'il faut, essayer de poser des cercles. Mais un truc, tu vois, il faut qu'on ait l'impression, pas comme ça, qu'il soit posé sur le sol. D'accord? Comme si c'était une pièce qui avait roulé. Il faudrait qu'elle soit à peu près sur le sol. Alors, tu peux t'en faire plusieurs. Mais commence par positionner ça. Je vais te demander un petit peu. Une fois que vous avez ça, je vais partir de chaque côté là de mon arbre. Enfin, de mon cercle. Et je vais choisir vers où penche mon arbre. En le réduisant un petit peu. Voilà. De manière cône, comme ça. Tac. Ici, je peux commencer à faire des petites racines. Alors, vous pouvez faire comme si c'était un espèce de soleil posé sur le sol. Hein. Là, j'en mets 4. On voit bien. Ensuite, je peux lui mettre son épaisseur. Et après, je vais juste fermer là. Comme ça, on peut avoir déjà nos petites racines. Alors, le souci que j'ai, là, sur ma petite version, et que vous aurez peut-être, essayé de casser un maximum la symétrie. C'est ce qui n'est pas forcément évident, ouais. La chose... si vous voulez quelque chose qui soit naturel, casser la symétrie. Absolument. La nature, elle n'aime pas la symétrie. Elle ne fait pas dans le symétrique, elle ne fait pas dans la... C'est très humain, quoi. Vous n'aurez jamais des arbres qui vont pousser naturellement alignés, quoi. Ça serait drôle. Enfin, ça serait très bizarre, d'ailleurs. Ouais. Bon, on voit après quand c'est des cultures, tu vois. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais naturellement, ils vont jamais pousser alignés, alignés comme ça. Petit aparté, c'est comme... J'en ai, moi, des fois, qui me font des étoiles, et donc, ils vont les faire un peu comme ça. Tac. Ah, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Et en fait, elles sont trop bien réparties. Ouais. Il n'y a pas le côté aléatoire qu'il y aura dans vraiment, si vous regardez le ciel. Là, on est plutôt sur de la tapisserie ou un motif de tissu qui se répète. Le ciel, non, il y a des endroits où ça va être contracté, où il y aura beaucoup d'étoiles, elles vont être tassées, d'autres où il n'y en a quasiment pas. Bon, pas visible. Donc pour votre arbre, ça va être pareil. Là, moi, je vois que j'ai fait un peu l'erreur aussi. C'est-à-dire que là, j'ai des branches qui sont l'une en face de l'autre. Sur un, ça peut... Mais je pense que ça serait plus malin de, comme ici, se les décaler, qu'elles ne tombent pas l'une en face de l'autre. Ça va nous donner quelque chose de plus naturel. Aussi, au début, je me disais, mes arbres sont trop face à face, je pense. Enfin, tu vas me dire, sur les routes, c'est qu'ils sont souvent plantés. Oui, mais voilà, c'est qu'ils sont plantés comme ça, ouais. Prolonger la route. Et vite fait, pour revenir après vos arbres, vous pouvez juste le travailler en attrait pour vos branches hein, dans un premier temps. Pour voir où c'est qu'elles vont. Et puis, plus ça grossit, plus ça se démultiplie. Coucou là, Flamingo et Sam. J'ai pas juste un petit coup, je fais le replay. J'étais là en octobre, on commence par un carré. C'était super. Je peux lui dire que j'ai commandé les deux livres BD Chapaché sur Ulule à de l'ancien. Ouais, cool. Merci. Ça devrait pas trop tarder. Enfin, trop tarder. Il y a encore des petits détails à faire. En fait, ils sont encore en train de travailler sur la BD. Ouais. Là, on est juste sur la mise en page. Fin de mise en page. Et on passe sur la correction de texte. Et après, ça partira à l'impression. Oui, je disais, je suis fan du dessin, de l'espace et de l'astronomie. J'ai eu prof et élève, c'est un cours de dessin. Puis les curieux, c'est comme les flocons de neige, aucun ne se ressemble. Oui, c'est exactement ça. Mais puis avec Sam, on parlait souvent de, tu sais, parce que je parlais souvent de la loi des séries, je disais, mais quand même, c'est fou, je comprends pas. Et en fait, oui, si tu regardes les gouttes de pluie, en fait, les gouttes de pluie, elles tombent jamais au même endroit. Et de temps en temps, tu vas en avoir 4 au même endroit. Ah ouais. Et du coup, bah, tu peux le relier à la loi des séries. Pourquoi d'un seul coup, il y a tout qui arrive Tout arrive ici ou pas, le côté aléatoire. Ce qui
qui me venait, mais on va pas se lancer là-dedans. Ah si, allez, c'est pas grave, j'aime bien. Non, c'était sur le côté aléatoire, mais je suis plus passé pour là-dessus. C'est pas grave, c'est de la discussion, on philosophe ensemble, les gens donneront leur avis. Il y a Manu qui te remercie pour l'explication pour les arts, et Florence qui dit « j'ai commandé aussi ». Ouais, vous aussi vous l'a commandé. Bah super, ouais, merci beaucoup. Ouais, ouais, ça me prépare. Bon, après, c'est le temps de l'impression, c'est surtout la reliure qui prend un peu de temps. Oui. Oui, parce qu'il faut qu'ils l'envoient ailleurs, non? Ouais, c'est ça. C'est pas eux qui le font. Moi, ils les relient pas, ils font que l'impression. Et le problème, c'est que vu que c'est pas un gros imprimeur, ils peuvent pas vraiment mettre de coup de pression au relieur, qui lui bosse pour des gros éditeurs. Et ouais. Donc la dernière fois, ça avait pris quasiment un mois après l'impression pour que l'autre entreprise veuille bien relier le livre. Donc, bon, on va dire au plus tard dans un mois et demi, je pense que vous l'aurez, mais... après, ça se lance dans des trucs où ça devient un peu hors de contrôle. L'année dernière, on a vu le cas, et ça avait fait des petits décalages. Le mois, on était large. Hein. J'avais prévu, j'aime bien me prévoir pas mal de temps, tu vois, sur les dates qu'on donne, pour être sûr de pas les relivrer après. C'est pour ça, là, j'ai dit printemps. Au moins. Printemps 2024, ça laisse une marge. Mais oui, la dernière fois, on a eu plein de petits soucis comme ça. Parce qu'après, on passe par une boîte qui les envoie, qui fait les envois des livres, parce que là, on a trop envoyé. Moi, autant quand je les ai tout seul, c'était jouable. Mais là, c'est plus possible. Tu vas en refaire un projet tout seul ou pas? Ouais. Ah bah oui, celui que tu as en idée, là, que tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais. Ce sera un Ulule? Pas sûr. Ah! Pas sûr. Parce que ça, c'est un gros projet. Tu proposeras un éditeur? Ouais. Je pense que celui-là. Alors après, on verra. Hein. On négociera. Faut pas que ça soit n'importe quoi non plus. Ouais. Mais ouais, je pense. T'as une idée de l'éditeur auquel tu peux envoyer? Oui, mais sans plus. Faut que je rappelle un petit peu plus. Ce qui est un peu flippant, c'est que moi j'en vois plein qui, dès qu'ils peuvent se barrer après, se barrent chez les maisons d'édition. Ah bah oui. Forcément, ils sont un petit peu trop arnaqués. C'est ça. C'est que... Bon, après, ça peut être bien parce que ça peut... Et encore, tu vois, là, on s'est rendu compte que... Bah, c'est ce que je te disais la dernière fois, tu vois, de mettre de la pub sur Facebook, sur Instagram. Oui. En fait, en mettant de la pub, mais... Tu peux presque faire aussi bien qu'un éditeur. Parce qu'en... Enfin, les éditeurs, ils te donnent qu'un petit pourcentage, alors t'as fait tout le tas. Parce qu'il y avait un moment où je me disais, bah oui, mais en passant par un éditeur, ça donne de la visibilité. Et en fait, c'est... Pas forcément. Bah voilà, c'est pas vrai. C'est ce que je me rends compte, que la visibilité, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux qui vont nous la donner beaucoup plus que... Ouais, ouais. Dans le problème, alors, il y a éditeur et éditeur, hein. on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, oui, on est d'accord. Mais ça reste quand même une espèce de course à la production. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de choses à vraiment, vraiment faire de la com, en fait, tu vois. Ouais. Oui, c'est posé dedans, ça. Et très souvent, ouais. Mais soit ça marche, et le temps d'exposition est hyper réduit en librairie. Donc soit ça marche tout de suite, et puis tant mieux pour eux, si ça marche pas, tant pis pour toi, quoi. Ça, c'est une grosse différence, par contre, entre les petits et les plus gros éditeurs. Oui. Les petits vont défendre leur livre quand même vachement longtemps. C'est sûr. Mais qui, eux, ont certainement un peu moins de budget aussi. Bref, je pense que c'est tout le système qu'il faudrait revoir, en fait. Oui. Pour faire l'édition un peu plus locale. Parce que là, il y a trop de production partout. Et prendre et peut-être miser un peu plus sur la qualité, en fait, revenir à une édition à l'ancienne où tu as un vrai suivi, tu vois, tu crois en projet et tu vas tout faire pour le peaufiner et en faire une pépite, quoi. C'est ça. Un ami, bref, c'est un gros éditeur, ouais, qui a fait une série de 4 bouquins, je crois. Là, quand je discute avec lui, il m'a dit j'ai eu zéro retour. J'ai envoyé mes planches tous les trimestres au départ. Il m'a dit, j'ai jamais eu une correction, jamais eu un retour. Non, il m'a dit, sur les autres tomes, j'ai arrêté. J'ai envoyé quand le bouquin était fini, quoi.
C'est vrai que dans des trucs là, t'as envie de te dire, mais ça va quoi? Enfin, tu vois. Bon, après, il y a un côté où moi, ça me plaisait. Alors, moi, je faisais ce que je voulais. Ah, mais ça, c'est... ça, c'est important. Mais en vrai, c'est sûr que t'as pas la... En fait, il faut un juste milieu entre... Tiens, ici, tu peux peut-être ajouter ça. Et Ophélie qui nous fait un petit coucou. Elle est sur Facebook et elle est sur YouTube. Ouais. Alors, on a fait un coup tout à l'heure, on t'a déjà répondu tout à l'heure, Ophélie. Mais il y a jamais qui t'a hésité des fonds de l'algorithme aussi, mais j'imagine que les éditeurs ils sont soumis également. Mais quand Laure parlait de visibilité, elle parlait de, parlait de pub. Hein. Ah oui, là je parle pas du coup d'essayer de se faire voir. C'est pour le coup, on paye pour avoir la visibilité. C'est sûr, tu as une moins grosse marge. Mais finalement, et je pense qu'on a quand même une plus grosse marge que. Je pense. Qu'avec un éditeur. Parce que quand tu vois la pub, le pourcentage que c'est. Et par tu sais quoi, le pire, c'est que là, donc, on le fait avec Parole de Chat. Parole de Chat, c'est une grosse chaîne YouTube. Oui, oui, c'est ce que c'est, ouais. C'est plus d'un. C'est 1 million, quasiment 5 000 abonnés. 1 500 000. C'est énorme. 1,5 million, tu vois. Ouais, c'était genre parler à ça l'autre jour, je me souvenais plus. Et on a galéré. En fait, on pense que c'était bloqué parce qu'il y avait un lien qui amenait vers autre chose que YouTube. Tout à fait. Et on a galéré à dépasser les 20 000 vues sur une chaîne 1,5 million. Enfin, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais, faut mettre la pub. Il y a un problème. Oui, oui. Parce que par contre, mais bon, c'est du racket, tu dis. Ah oui, c'est du racket. Ça sert plus à rien d'avoir une grosse commu. Mais c'était fait exprès. En fait, pendant des années, ils nous ont laissé faire ça gratuitement. Donc, on a bossé comme des dingues pour se faire la communauté. Ah ouais. Et puis, fois qu'on s'est fait la communauté, allez-y, payez pour continuer d'être vu. C'est donc, ça. On a fait tout le taf. Si tu veux que ta communauté elle voit ce que tu publies, va falloir payer. Mais l'avantage, c'est que tu sais que là où ils vont mettre les pubs, les gens sont des gens quand même intéressés puisqu'ils te suivaient déjà. Du coup, de grandes chances de faire de ventes quand on fait la visite. Heureusement que ça marche un peu. Après, oui, de toute façon, leur but, c'est que... C'est que tu reviennes avec l'argent, quoi. Donc, forcément, ils vont tout faire pour que leur pub soit efficace. Et... Ouais. Mais moi, j'avais testé parce qu'il m'avait filé un espèce de petit crédit. Et franchement, j'ai pas vu la différence. Bon, ça fait 2 ans. Hein. Donc, peut-être que ça a encore évolué. T'avais combien? 40 euros. Tu l'as mis sur une journée? Non, je sais plus. Parce que nous, il y a un truc qu'on s'est rendu compte. C'est que finalement, c'est sur le temps. Parce qu'ils remettent, ils remettent la pub. Quand on met une pub, les premiers jours, il n'y a aucun retour et ça va être au bout d'une... Il y a beaucoup de retour. Ouais. Au bout d'une semaine, on va commencer à avoir... On a fait plein de tests. Hein. Ouais. On a tenté des tonnes de trucs au niveau de la pub. Mais je pense vraiment, ouais... Si... Non, de toute façon, la façon dont marche un algorithme, il y a aussi que petit à petit, l'algorithme s'améliore et que du coup, il arrive à trouver la vie de sa pub. Donc, plus je lui laisse du temps... Il arrive à peaufiner à qui il doit montrer la pub. Ok. Il est dans quelle circonstance. Et c'est sur Etsy aussi. On a halluciné en fait sur Etsy. Parce que nous on s'est dit non, on fait pas de pub sur Etsy. On préfère que les gens viennent sur la boutique parce qu'Etsy prennent pas mal d'argent. Ok. C'est quoi Etsy? C'est une boutique. C'est une boutique en ligne où tu as juste à mettre tes produits. C'est une boutique pour les créateurs. Ouais, voilà. Okay. Pour artisans créateurs. Enfin, là, du coup, ils ont les bouquins, ça fonctionne. Le bouquin, vu que c'est en édition comme ça, ils les acceptent. Et donc, l'avantage, c'est que c'est tout en clair. C'est tout clair en main. Tu as juste à rentrer ton. Le maximum d'impôts sur ton produit et après par contre tu payes quelques centimes pour chaque produit que tu mets en ligne pour pas que tu puisses mettre tout et n'importe quoi et en plus quand tu payes ton produit est visible pendant 6 mois et si tu le vends pas il disparaît et pour payer si tu veux qu'il reste c'est pas le cas pour les produits qui sont vendus. Ah si aussi. Ah si, pourra aussi repayer pour les produits. Si ton produit est vendu, il faut que tu repayes si tu veux en remettre. C'est pour les bouquins. J'ai coché que c'est un produit qu'on a en plusieurs exemplaires. Donc à chaque fois qu'il est vendu, il en met aussi en ligne et du coup on repaye encore 15 centimes.
D'accord. Voilà. Plus après, il te facture une com sur les ventes. Donc, pour le site et la partie paiement. Et c'est optionnel quand tu es un petit créateur, si tu as des très grosses ventes, c'est obligatoire. Ils vont aussi investir, ils vont aussi avoir une équipe qui va faire automatiquement de la pub sur Google. Mais ça, on est d'accord qu'on ne savait pas. Mais j'ai pas, si j'avais lu toutes les petites lignes du contrat, j'aurais vu. Parce qu'en fait, on s'est dit, mais c'est ouf, on a des ventes alors qu'on a rien fait. On n'a rien fait. Mais, ouais, là, tu es en train d'en parler, alors qu'on avait dit qu'on n'en parlait pas du tout en ligne. Oui. En fait, vu là, maintenant, c'est sa concurrence, sa propre boutique. Donc, l'idée, c'était d'avoir des personnes qui ne connaissent pas. Et tu vois, c'est oui, d'accord. Des deux personnes. Oui, et oui. Depuis qu'on a mis ça en place, c'est début février, on a eu plusieurs ventes sur c'est principalement des Allemands, là, un Canadien. C'est marrant, c'est hors France, plus souvent. On a vendu une seule fois en France, là, sur les 6 ventes qu'on a fait. Ouais. Donc, et c'était cool parce que ça, nous, on n'est pas arrivé à les toucher avec les coups. On avait essayé de faire à l'étranger, tu sais, pendant le Ulule, on avait fait le site en anglais et tout. Et... Bah, c'est pas mal parce que sur le coloriage, au final. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Tu t'empêches. Mais. J'étais pas arrivé à ce que. Mais... En fait, il arrivait à montrer un peu les pubs à des francophones dans d'autres pays. Mais il n'arrivait pas. Je ne suis pas arrivé à configurer pour qu'il le montre à des non francophones. Sachant qu'on avait tous les textes qui étaient en anglais et tout. Donc, ouais, ouais. Et qu'en France, on a la chance de pouvoir envoyer les bouquins à pas cher à l'étranger. Oui. Ça, c'est bien. Vous voyez qu'il s'est d'arrêt pour les créateurs de Moi, je suis pas d'accord. Hein. Ben non, parce qu'en fait, surtout, et ça coûte très très cher. Hein. Là, Sam, il sait faire du web. Mais des gens qui savent pas faire un site internet, ça coûte très cher de faire un site internet. Donc, Etsy, c'est vrai que tu payes si cher que ça. Tu payes régulièrement en plus sur le long, de toute façon. Ta plateforme, ton nom de domaine. Ouais, donc non, en fait, c'est pas tellement. Ben, quand tu vois, là, déjà rien que les banques, le pourcentage qu'ils prennent tous pour les transactions, bon, déjà, voilà. C'est sûr qu'Etsy. Alors, c'est sûr qu'il y a ça, il y a le fait que nous, on est une petite boîte, donc on ne récolte pas la TVA, mais vu que eux, c'est une grosse boîte, bah, ils récoltent la TVA. Donc, forcément, bah, là, nos produits partent avec la TVA, là où actuellement, ils ne partent pas. C'est sûr que c'est beaucoup plus rentable quand on le fait avec notre boutique. C'est sûr. Ouais, ouais. Quand on peut avoir une boutique soi-même, oui, c'est plus rentable. Mais je trouve que pour un créateur qui n'a pas les connaissances techniques pour avoir une boutique, il est trop mignon, ça me paraît. Ça me paraît qu'on des coups sur les arbres. C'est cool. Stéphanie qui vient en dessin, j'ai. Oui, ça le rend mignon comme ça. Ouais. Il faut qu'il me dise au revoir parce qu'elle a son rendez-vous. Ah, je te remercie. Bonne balnéo, Stéphanie. J'ai mis beaucoup de contrefaçons aussi. Mon dessin s'est fait voler par plus d'une centaine de boutiques sur Etsy. Ouais. Côté, je suis Big Cartel, il n'y a pas de commission, mais un abonnement de 10 euros. Mais là, le truc, c'est que sur Etsy qu'on a trouvé cool. Alors, déjà, bon, nous, avant toute la contrefaçon, c'est. Enfin, après, je pense que si on fouille, il y a peut-être des gels de l'or qui sont. C'est quoi Big Cartel ? Il n'y a pas de commission, mais un abo de 10 euros par mois. Tu peux m'expliquer ce que c'est Big Cartel, Jamy ? Ça doit être une boutique, enfin, en tout cas, ce serait une autre que Etsy ? Ça, oui. D'accord. Je pense qu'il passe par ce. Ouais, donc 10 euros par mois, faut avoir le. Il faut que ça vende. Faut que ça vende, quoi. Mais... C'est vrai que le pourcentage peut avoir cet avantage-là, ou. Bah, si ça vend pas bien, au moins ça te coûte peu, quoi. Oui. C'est vrai que ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais tu Moi, j'aimais bien Google pour ça, tu vois. Je me disais, mais. Plutôt que de sortir, tu vois, s'endetter ou investir sur l'impression de quelque chose. Mais regarde s'il y a moyen de le financer sur Ulule. Parce que si tu n'arrives pas à en financer une petite partie sur Ulule, ça veut dire que tes bouquins, tu les vendras pas ou que ça va être très compliqué, quoi. Mais c'est pour ça que je pense que faire un Ulule et ensuite, tu vois, les mettre sur un site comme ça, bah même Etsy, en fait, qui fait de la pub ou Facebook, surtout que là, ton travail, maintenant, il est quand même connu, il marche. Il faut que tu, tu les envoies
Oui, forcément, de toute façon, c'est toi qui les envoies derrière. Donc, tu envoies quoi? Un petit message, l'adresse de la personne et. Ouais. Toi, tu choisis sur quel délai tu. Tu donnes, ah oui, avant qu'on les envoie. Pour les envoies. Ça, c'est cool, déjà. Et du coup, tu fais ce délai-là. Et après, tu choisis. Enfin, tu configures tous les frais de port comme tu veux aussi. Donc, là, nous, c'est vrai que bah, on a mis pour tout ce qui est envoi à l'étranger, on a mis les frais de port de. Oui. La brochure. Et pour les gens. Et ils peuvent. On n'a pas encore. Je crois pas qu'on a encore eu. Mais pour les relais. On a configuré Mondial Relais. Ouais. Bah, ça réduit bien les tarifs. Hein. Oh, ouais. C'est génial. Franchement, Mondial Relais, je trouve ça super. J'ai pas vu les nouveaux, mais je t'avoue que genre. Bon... Vous l'avez proposé, vous, Mondial Relais, sur. Non. Non, vous l'avez pas. Et pour l'instant, c'est compliqué pour. Mais ils étaient en train de le mettre en place. Oui, ils vont le mettre en place. Ouais. Non, mais ça baissera un peu les frais de port parce que c'est monstrueux. Oui. Des fois, tu payes. Déjà, nos derniers envois, il me semble qu'on était quasiment à 7 euros par bouquin, quoi. Ouais. Oui, bah oui, ça m'étonne pas. En France. Bah oui, c'est ça. C'est les colis. Donc, En dessous de 500 grammes, ouais, c'est 6,55, je crois, le tarif postaux. Ouais. Mais moi, un truc comme ça. Et si tu dépasses, ouais, c'est pas. Et c'est ça, ouais. Ouais. Ça peut monter à 7,8. Et c'était les anciens tarifs. Donc là, ils vont avoir augmenté encore. Mondial Relais, c'est... et puis même, nous, un autre truc qui a été trop cool, c'est qu'on a pu les amener, parce que sur le coup, on avait un peu peur de ça. Tu sais, c'est au moment où tu dois les emmener. Ouais. Et en fait, on les a emmenés chez un... chez le Cyber... Cyber City. C'est juste au-dessus, là, en dessous des vélos des Vélim. T'as un oui, café... Okay. Oui, ok, je vois. Et en fait, on lui a amené 600 livres, regarde. Ah oui. C'était trop drôle. Il a pas tiré la gueule. Bah, non, non, il était content. Enfin, il a été très gentil. Ils ont été ultra gentils. En vrai, lui, ça arrange pas. Parce que. Ouais, c'était quand même du taf. Hein. C'est juste, oui, mais. C'est son bouquin, ouais. En fait, ça lui a... Moi, je te dis, ça arrange. Parce qu'en gros, le système, c'est que quand tu déposes un bouquin, tu touches une pomme. Donc en fait c'est comme genre c'est tout petit hein, c'est 50, je crois que c'est 30 centimes quand ils reçoivent et ça non, doit 30, être c'est 30 centimes quand tu déposes et c'est plus quand tu 50 centimes 50 quand tu quand il y a 20 centimes de différence oui parce que bah, quand ça arrive tu vérifies l'identité de la personne, c'est plus long. Mais du coup quand t'as quelqu'un qui vient et qui pose un colis, bah, ça leur prend du temps pour poser pour qu'ils gagnent. Là on est arrivé avec 300 colis, on se calme à la boucle. Ah, 30 à chaque fois qu'il passe. Donc, ouais, c'est cool. Pour lui, c'est bien. Si tout le monde y gagne en plus. Ouais, là, pour lui, on est arrivé avec. Je faisais quoi si je prends le colis. Il y en avait 600. On a 600. Fait 300 le soir et 300 le lendemain. À 30 centimes, ouais. Ouais, enfin, c'est pas hyper bien payé quand même le temps. Non. Mais mieux que si quelqu'un passait tout seul avec deux colis. Oui, c'est sûr. Oui, c'est on y a passé peut-être une heure. Et bah une heure, il a touché... 50 euros, je crois. Mais non, l'heure, 157. 600 30 euros, 30... 90. 50 centimes ouais, 600 euros. Ah, 600 euros, non. Non, 100 euros. Ah, oui. Un peu moins de 100 euros, 80 euros, ok. 80 euros pour une heure. Ah, hein. Ouais. Oh, c'est bien. C'est cool. Ouais, c'est sûr. Beaucoup plus rentable quand c'est des gens qui passent à part. Hein. Alors j'ai fait des grosses feuilles. C'est sympa avec les grosses feuilles. C'est chelou, hein. Non, mais ça habille. Tu vois, ça casse un peu le côté. Parce que... J'ai essayé de faire une forme aussi sympa. Et puis je pense qu'on va pas se faire d'ancrage. Oui, parce que là, ça fait 3 heures qu'on est sur. Et on va partir des passages dans la colo. C'est ça, on est en train de faire un oui, Charlie, là. Vous avez allé 80 euros, plus ou moins. Et attends, oui, elle a dit aussi. Vous avez la prochaine année utilisée, 350 euros. C'est sur un site qui permet de créer sa boutique en ligne aussi. C'est juste qu'il n'y a pas de système de pub. Oui, c'est sûr que moi je trouve ça très fort hein, sur le site le fait qu'il qu'il y ait une équipe qui gère la pub parce que c'est pas facile. On a payé combien de pubs? 5 euros? Ouais, on avait 5 euros de pub pour 170 euros de bénéfices. Ouais, on sait que 170 euros. De chiffre d'affaires, pardon. Et 140 euros de bénéfices. De chiffre d'affaires. On n'a pas fait de. Tu vois, on a vu qu'on s'est obligé que c'est des gens qui ne connaissent pas qui l'ont acheté. Donc ça veut dire que c'est leur pub. Bah, 5 euros sur Etsy, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on met sur Facebook pour la rentabilité. Ouais, ouais. Après, au niveau de pub aussi, il y a...
C'est impressionnant la différence qu'il y a entre Instagram et, et Facebook. Instagram, c'est au mieux faire de la pub sur Facebook que sur Instagram. C'est beaucoup plus cher de toucher les gens sur, sur Instagram. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai moins de visibilité ? Parce qu'on galère pour mettre un lien. Il y a que sur les stories. Il y a que sur les stories, tu peux mettre un lien. Mais je pense aussi que, à mon avis, c'est un problème d'offre et demande. Et je pense que c'est vrai que moi, quand je j'aime bien, je prends attention un peu aux pubs que je me tape sur les deux réseaux. Ouais. Les pubs que je me j'ai sur Instagram sont beaucoup plus qualitatives. Je sens qu'il y a beaucoup, qu'il y a une plus grosse demande et que du coup les trucs qui sont beaucoup plus qualitatifs que sur Facebook. Sur Facebook, une pub sur deux que je me tape, vraiment c'est pas, c'est mal ciblé, c'est pas. Enfin, donc je pense qu'à mon avis, c'est aussi qu'il est, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à faire des pubs sur, sur Instagram, qui doivent à mon avis peut-être aussi bien marcher. Que, bah il y a beaucoup de monde sur Insta et c'est plus jeune. Je pense que Facebook est plus cher, c'est parce que voilà, c'est une plateforme est un peu plus. Je sais pas, parce qu'à un moment on avait mis sur Instagram, ça avait pas marché ça. Mais parce qu'on avait mis même, on n'avait pas mis un budget, on n'avait pas, mis un gros budget, et du coup, on a vu que sur Facebook ça marchait à peu près bien les pubs, c'était plus intéressant pour nous. Au niveau du volume, enfin, du montant qu'on mettait, on avait un meilleur volume de vente que sur Instagram. Oui. Bon, tout ça pour dire. Non, Stéphanie, je vous pour entendre les descendants. Est-ce que les éditeurs, c'est grosse question. Parce qu'après, c'est la classe d'être édité chez un gros éditeur aussi. Ouais, mais enfin bon, si ça te rapporte rien et que tu peux juste te dire que t'as été édité chez je sais pas qui, qu'il a laissé ton bouquin deux semaines en truc et en fait, il n'y a rien qui s'est vendu. Et... Enfin, tu vois. Oui, bah c'est ça. Parce que moi, j'avais ce côté-là. On s'était me dire, ouais, bah, j'ai été édité chez machin, donc ça veut dire que mon travail a de la valeur, ce qui n'est pas vrai du tout, finalement. Ça peut t'ouvrir quelques portes, mais... Ouais, je sais pas. En quoi, si c'est vraiment significatif ou pas. Ah, super, t'as du marron. Yeah, j'ai du marron. J'ai aussi de l'eau. Alors, il y a Ophélie qui trouve Facebook qui s'est un peu dépassé. Instagram et TikTok, t'as plus de visibilité. Alors, oui et non. Ah, mais moi, je suis plus suivi sur Facebook. Donc... Alors, déjà, Facebook reste le réseau social le plus utilisé dans le monde. Hein. Ouais. Il est un peu. Non, mais Tito, je vais le. Il est un peu ringardisé. Il a un côté un peu ringard le réseau sur une génération, mais en vrai, il est encore très utilisé et le plus utilisé. Voilà. Et je pense que Facebook a aussi encore une vue. Parce qu'en fait, il y a une question aussi de visibilité. Il faut vachement se méfier parce que par exemple, TikTok, c'est... tu peux avoir beaucoup de visibilité. Ah non, c'est Sanguine. De grosse visibilité. Très bien. Tu préfères Sanguine ? Je m'en fous. TikTok, tu peux avoir l'impression d'une grosse visibilité, mais en fait, qui a peu d'impact. Parce qu'en fait, sur TikTok, oui, on voit beaucoup de choses passer. C'est ça, ça déroule. Et en fait, ça imprime peu. Les gens, enfin, ils vont moins retenir ton nom, de choses qu'ils ont vues. Enfin, ils vont pouvoir moins me citer des créateurs que vous avez vus sur TikTok que les créateurs que vous avez suivis sur Facebook. Et voilà, enfin, c'est un créateur TikTok qui a des millions d'abonnés va pas être reconnu dans la rue. Alors qu'un créateur, enfin peu, alors qu'un créateur qui a un million d'abonnés sur YouTube, il a pensé être reconnu dans la rue. Ouais. Donc, voilà, c'est. C'est des vidéos plus longues, ouais. Tu passes du temps, tu crées. Tu vois les personnes. Ouais, la visibilité, il faut se méfier sur le. Ça. mais c'est pour ça que moi, je t'as du faux. Jamy qui dit est-ce que ta pub te permet d'avoir de la visibilité auprès de toute ta communauté alors parce que l'algo a tendance à. Pas montrer les posts à tous les abonnés de base, c'est rageant. Alors, je réponds parce que c'est moi qui gère ça. En fait, tu peux, quand tu fais de la pub, tu as deux types de pubs que tu peux faire. Tu peux soit justement demander à ce qu'ils l'affichent à ta communauté pour être sûr que ta communauté le voit le plus possible. Mais nous, on n'a jamais utilisé ça. Ouais, en fait, on n'a jamais utilisé ce système de pub. On a toujours préféré de choisir de laisser Facebook. Choisir à qui il monte la pub et parce que en fait en laissant plus tu laisses de liberté à l'algorithme à qui il monte la pub et plus en vrai ta pub va être montrée à des gens qui vont être potentiellement qui vont être plus enclin à acheter. C'est que nous pour l'instant la pub on l'utilise surtout
dans ce but-là, de déclencher des ventes sur la boutique. Coucou Pascal qui nous écoute. Coucou Pascal. Donc, Et globalement, en termes de visibilité auprès des gens, je sais que par rapport à d'autres retours que j'ai eu pendant la campagne U, non, ça ne montre pas la pub trop aux gens. Enfin, il y a des gens qui ont découvert notre campagne U vers la fin de la campagne, alors qu'on postait un ou deux messages par jour sur Facebook tout le temps. Et il y a des gens qui nous disent « Ah putain, il y a un nouveau U, je savais pas. » Fin octobre, t'es là. Waouh. Alors c'est toi, tu as passé tout ton mois d'octobre à poster deux messages par jour, à faire des... À faire un live tous les jours. Ouais, un live tous les jours en plus. Ouais. Ouais, vous avez trimé en plus. Donc voilà, et malgré le fait qu'on avait mis de la pub plusieurs fois. Il est fois, un peu jaune. Oui, il est. Oui, il est. Juste, c'est un peu les couleurs. Donc voilà, donc du là, coup. Là, c'est le ciel. Et ça va montrer que, ouais, non, ça ne cherche pas à montrer principalement aux gens. Ça va plutôt essayer de trouver les gens qui. Alors nous, là, on a l'avantage avec les lives, on a. On a à force, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on fait de la pub de regarder ses stats en détail, qu'on a des gens qui nous abonnent et tout, pour se rendre compte de quel profil nous suit déjà, pour ensuite cibler déjà, en fait, pour cibler la pub dans ce profil-là. Alors nous, on a vu au niveau des coloristes, des lives, des lives colo, les posts qui parlent de coloristes, ben en fait, bon, bah, c'est majoritairement des femmes, c'est une tranche d'âge particulière, hein, je ne sais plus en tête. Et du coup, c'est qu'on avait ciblé nos pubs dans les tranches d'âge. On a déjà 45 ans, je crois. 35 ans. Ouais, 30-50 ans, je crois que c'était là le. Et donc, du coup, tu te tâtes encore entre éditeur et auto-édition ? On verra sur ce projet-là, mais a priori, oui. Enfin, je pense pas que je le ferai en auto-édition. On verra ce que ça donnera. Autour d'éditeurs, mais c'est un projet. C'est un projet que j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de visibilité. L'empreinte est la plus foncée. Je sais pas trop encore comment je me débrouille. J'ai d'autres aquarelles, hein, si tu veux. Non, t'en fais pas. C'est juste comment je... Si j'ai pas envie de mettre trop de couleurs, tu vois, j'ai envie qu'on reste à peu près dans les mêmes tons. Mmh. Et pour le côté un peu fantastique, mais des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose, tu vois. Juste d'avoir des couleurs d'arbres ou trucs un peu différentes, ça pourrait peut-être le faire. J'aimerais bien rester dans les couleurs, dans des tons chauds. Mais oui, pour la pub, hein, c'est sûr que je vous voyez un petit gars qui a fait un wow! Parce qu'on a un peu les sons. Ouais, c'est pour les couleurs. Ouais, je suis le petit test. Mais si, ouais, si vous voulez utiliser de la pub sur les réseaux, vraiment le truc qui. Voilà, un des enseignements qui nous a le plus marqué. C'est de faire des pubs sur de la durée, sur au moins 7 jours, voire 10 jours, avec une somme du coup, ben, forcément, idéalement, il faut au moins, si vous mettez 10 jours, il faut au moins 50 euros, et nous, les dernières pubs, on met 300 euros sur 10 jours, et en fait, c'est là où ça devient impactant. Ouais, mais ça reste quand même un petit budget, quoi. Ouais, mais en fait, ça a été mieux sur la boutique que sur Lulu au final, je trouve. Bah, ce qui est compliqué sur Lulu, c'est que c'est enfin, alors, si on fait le choix avec que ce soit sur Lulu ou sur la boutique, de ne pas tracer, enfin on trace pas les gens qui arrivent sur la boutique. On n'a pas de Google Analytics ou de Facebook de Pixel. Bon, voilà. Donc en vrai, on n'a pas un suivi avec précision de qui vient avec la pub et ce qu'ils font exactement, parce que de façon éthique, j'ai pas envie que d'offrir ces infos à Facebook. Voilà, c'est une data pour eux qui ont beaucoup d'argent, mais j'ai pas envie d'en rentrer. D'accord.
Mais... C'est pour ça qu'ils ont insisté, Ulule, pour qu'on le fasse. Ah ben, en fait, c'est que c'est ultra... Ah bah c'est génial, par contre. Quelqu'un te... Ils savent après exactement à qui montrer. Il y a eu une période où Sam, on l'avait. Ouais. En fait, sur... Le tout sur... premier... Le tout la toute première fois où on a mis de la pub, tu avais un clic, tu avais une vente. En fait, non. Là, y a... C'est que... ultra rentable. La pub ne coûte ça. Rien. En fait, il y a avant que... Avant que les lois européennes et que Apple verrouille les choses, il y a les deux, il y a les deux, il y a la loi européenne qui est rentrée en jeu et il y a Apple qui a aussi rendu son iPhone un peu plus opaque pour les gens qui font de la pub. À l'époque, ils étaient tellement, le suivi était bien précis et sûr que tu pouvais payer de la pub uniquement quand ça vendait. La pub ne te coûtait de l'argent que s'il y avait une vente. D'accord. Donc, ah oui, c'était ça. Donc, ouais, tu pouvais y aller. Tu savais que. C'était vraiment gagnant, quoi. Ouais. Alors, après, ça, c'était plus galéré, plus ça coûtait cher, quand même. Mais à cette époque-là, je crois qu'on payait 1,50€ par bouquin vendu. 1,50€, c'est un peu pour des ventes que tu n'aurais pas eu sans. C'était que dalle. Et du coup, c'était ouf, quoi. Parce que là, du coup, tu pouvais mettre un gros budget, tu savais que son quoi qui arrive, c'était que des. Chaque euro, c'était des. Ah ouais. Ça, c'était... Voilà. Sauf que Apple est passé par là, a verrouillé ses iPhones, l'Europe est passée par là, et du coup, maintenant, ils ne peuvent plus être sûrs de qui a. Enfin, du tracé. Donc, ils ont arrêté de faire cette méthode-là. Maintenant, tu peux payer que au. Soit tu payes à la visibilité de ton poste, au nombre de vues, au nombre de 1000 vues, soit tu payes aux gens qui ont cliqué sur le lien. Sans savoir si après ce qu'ils vont faire sur le lien. Du coup, c'est vrai. C'est ce qui fait que c'est un peu moins sûr ce qui se passe. Et nous, en plus, alors, je crois que, je me demande sur Ulule si j'ai quand même pas mis de pixels, si on n'a pas mis pour Ulule. Et sur la boutique, je ne peux pas le mettre. Et du coup, l'avantage de Pixel, de Facebook, c'est que du coup, Ulule envoie à Facebook chaque vente, et avec quelques infos anonymisées sur les gens. Mais du coup, en fait, Facebook, c'est. Quel âge ont globalement tes acheteurs, donc ça l'aide à cibler derrière. Ouais, et en plus, il relie l'acheteur à des data qu'il a en plus sur son compte Facebook, et au bout d'un moment, il sait carrément que ton acheteur, il est fan, que 80% des acheteurs sont aussi abonnés à telle page, et donc du coup... Bah, que sinon, c'était trop drôle, à un moment, en fait, on s'était rendu compte que la majorité des personnes qui achetaient étaient aussi abonnées à Blanche Porte et à La Redoute. Blanche-Porte, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu comme la Redoute, en fait. C'est des fringues. En vrai, l'algorithme avait ciblé ça. Alors après, il y a un côté aussi où les gens qui sont abonnés à des... Enfin, qui sont sur la Redoute, c'est des gens qui sont habitués à acheter en ligne, donc c'est des... en plus, c'est des bons clients. Mm. Ok. Et c'est sûr, on a fait l'erreur sur la... Parce qu'en fait, si on n'avait pas activé Pixel au début de la campagne Ulule, et du coup... Toute la vague de gens qui nous ont suivis en début de ce chose, ça aurait été des infos pour en or pour Facebook pour ensuite cibler derrière. Bon, bah pour le prochain, je vous redemanderai conseil. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ça, tu dis que ta tranche d'âge, on fait tout à l'heure. Bah oui. Et ça, ils vont après. Voilà, ça m'a fait plein de tests. Et c'est vrai que c'est intéressant. T'as pas trop vite sur le fond. On va jouer sur les contrastes de couleurs. Ah oui, oui. Les éclaircir quand on va reculer. Ah oui, c'est vrai, mince. Ouais, je viendrai refoncer ce dos. Oui, c'est pas un souci. Ça sera pas. Puis j'aime bien pas tout garnir. Ça va déjà nous faire un peu des petits effets. C'est pour ça que là, je me fais le premier plan. Et après, je diluerai au fur et à mesure les couleurs. Pour que dès qu'on plus on s'éloigne, plus ça soit clair. Mais je sais pas trop ce que ça va rendre. Je prends un peu à l'arrache, comme ça vient. Moi, c'est souvent ce que je fais en couleur. Je réfléchis pas trop. Eh ben, tu vois, mais des fois, j'aime bien me prendre un truc et puis je me fais une couleur commune. Ouais. C'est-à-dire que là, si je fais ce paysage, que j'ai envie qu'il y ait une teinte plutôt chaleureuse, je vais prendre une pointe de rouge. Que je vais mettre à côté, je prends un marron, je mets une pointe de rouge. Je prends mon vert pour faire le truc, je mets une pointe de rouge. Ah ouais, c'est rigolo. Et ça permet d'avoir une petite. Un petit rendu fort sympa, quoi. Ça va te créer une espèce d'unité de couleur.
Et puis c'est Curel qui dit qu'il a fait le poussin. Ah, cool. Je pense que... Qu'est-ce qui se passe? Non, pardon, je suis en train... Tu es ça je va visualise tout va devant, bien Tant pis, il sera tout rouge. Je suis en train de me dire, attends, mais le rouge gore. Mais non, c'est que devant qu'il est rouge. Oui. Vraiment. Là, c'est trop tard. Elle gêne le rouge, donc il sera tout rouge. Ça, c'est un truc sur lequel tu vois, t'es pas obligé, mais tu... avec mes pinceaux à réservoir, vu qu'ils vont me rajouter de la flotte au fur et à mesure, Ouais. ça va légèrement éclaircir. Je vais vraiment partir sur mes zones les plus foncées. Quand je vais les positionner. Et oui, d'accord. Okay. Que si je commence par le haut, après, ça va être rééclairci quand je l'ai sur le bas. Et là, j'avais l'impression quand même que j'étais déjà un peu foncé. Oui, tu vas un peu plus fort. Bon, T'habites où ici? Non. Je suis vers la médiathèque. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as la côte. Bon, j'ai que la côte. Avant Gambetta? Je suis avenue Baudin. Tu dois Sur la le haut de l'avenue Baudin. Tu dois la monter entièrement ou pas la Gambetta? Ouais, je sais. Parce que ça monte un peu quand même. Ouais, je sais. J'ai eu un, tu vas me dire, je l'ai fait, j'ai réussi à la faire. Sans... J'ai eu un vélo. Sans avoir posé le pied sur le sol. Ouais, je crois que j'y arrivais. Bon, j'étais bien en susu, hein, mais. Ah oui, bon, je pense que ce sera le cas. Et puis, tant pis, hein, si c'est trop, je descendrai, je pousserai mon vélo. Ouais, je suis sûr que tu vas y arriver. Peut-être. J'ai foi en tout. Ouais. Moi un peu moins, tu vois. Ah là là, ça va, je rattrape. Mais... un peu une connerie ce que je fais. Partir d'un côté, de l'autre. Ouais, mais en... souvent après on voit les coups de pinceau. En vrai, moi, ce que je fais souvent, je fais à la peinture et ensuite je reviens avec des crayons de couleur par-dessus. Et en fait, tu peux carrément complètement modifier. C'est vrai. Rattraper, donner un petit peu plus de volume si tu veux. Ouais. Mais moi, je pense que c'est mon côté feignasse où j'essaye que chacune des parties, je ne sois pas obligé d'y retourner, d'y retoucher. Ah oui. mais en fait, moi, je suis feignasse dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai pas envie de réfléchir au début, je mets les aplats et après, hop, je trouve que ça va plus vite de... Ok. C'est... En fait, on est tous les deux feignasses, mais pas de la même façon. C'est ça. Est-ce que tu veux manger un truc? Moi, j'ai l'impression que des fois, je perds du temps après. Tu vois? Ouais, alors que... Et que le temps que des fois, le temps que je me prends en plus au départ, bah, c'est le temps gagné à la fin. Alors que moi, j'ai toujours l'impression que c'est que à la fin que je ferai les bonnes choses. Ah ouais. Non, moi, tu vois, bon, clairement, là-dessus, je sais que c'est pas grave si ma colo, elle est un peu à l'arrache. Je sais que ma composition, elle est plutôt bien. Tu vois, de toute façon, ça sauvera le truc. Ah ouais, c'est vrai, tu vois, vraiment, on voit pas du tout le truc dans le même sens, rigolo. Ouais. Est-ce que tu veux manger? Non, merci. Tu veux même pas un petit chocolat? Un petit chocolat. J'ai débroché. Ah, allez. Voilà, tu vas y. Oh, je suis faible. Personne ne peut résister à un rocher. Oh, j'ai pas coupé Twix. Tu préfères Twix ou rocher? Ce qui reste, en fonction de ce que prennent les autres. J'ai pas de préférence. J'ai ça. Oui, c'est très bien ça. Très très bien. Il a pris quoi, Ellie? Tu préfères quoi, toi, Ellie? Moi, rocher. Ok.
Donc un rocher pour Ellie et un tweet pour Titouan. Le tweet Titouan, c'est un seul. Il faut les garder pour demain dans le train. Le fameux rocher. Eh, ah mais c'est encore moi hein. Qui est craqué en premier. Tu as fait une poussine, petite écureuil, j'ai hâte de voir. De toute façon, sur le chocolat, vous pouvez être sûr que c'est moi qui me jette dessus en premier. Moi, j'ai décidé de refaire les marchés et d'aller sur le terrain, au bouche à oreille, car tout le monde n'a pas les réseaux. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, ça peut. Puis c'est bien aussi. Puis en plus, t'as vraiment l'échange avec les gens. Ouais. Non, c'est vrai que c'est dur de trouver l'équipe pour tout. Hein. Oui. C'est vrai que si tu commences à être auto-unité, il faut tout gérer. La colle, la mise en page, les points de vente, le... Enfin, c'est vrai que c'est assez monstrueux. Quantité de travail. Après, ça donne cette liberté que tu peux vraiment gérer les choses comme toi, tu as envie. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Bah moi, avec Sam, quand même, qui analyse plein de trucs, qui fait une boutique, je pense qu'il y a ce côté-là où... Pour moi, ça vaut le coup maintenant. Et oui, je sais pas si je te l'avais dit. J'étais contente parce que j'ai Muse Iris. Elle est venue m'acheter des cahiers de coloriage pour mettre en librairie. Là, apparemment, elle disait qu'elle voulait le volume 3 aussi. C'est cool parce que je lui avais demandé si elle voulait pas prendre mes premiers. Elle avait... Enfin, les livres, elle en avait pas voulu. Mais ça me fait cahier de coloriage. Moi, c'est mieux d'Iris, ma fille. J'ai redistribué. J'ai distribué encore un peu, mais il me reste beaucoup de Cléo. Ouais. T'étais content ? Ouais. En fait, elle est très sympa. Ouais. Mais quand elle est venue me voir, elle me dit ah, j'attends ton projet, ton truc, j'ai vachement le mettre en avant. Et elle a signé les ardents derrière. Ah oui. Mais bon, tu imagines qu'ils font passer un peu priorité. Après, je sais pas sur le long. Elles sont très sympas toutes les deux. Et ça fait du long des ventes. Mais... Bah, c'est ça. Moi, il y a eu ce côté de. Mais faudrait pas que j'attende là-dessus pour en vivre. Ah oui, bah oui. Ça peut compléter. Mais. Bon, c'est pas grave, on verra après. C'est que moi, tu sais, j'ai mis mes livres. Dans plusieurs librairies, je suis incapable de savoir lesquelles c'est. J'ai le même problème. Il y en a que j'ai abandonné comme ça. Hein. Et puis anecdote, à chaque fois... J'ai jamais facturé. C'est ça. Anecdote, je sais qu'ils me doivent des sous. Mais à chaque fois que je vais les voir, soit il n'y a pas la personne, soit c'est pas le bon moment. Donc en fait, j'ai toujours pas eu les sous, donc ça fait 4 ans qu'il y a tous mes bouquins là-bas. Mais c'est Ludo qui s'en occupait. Donc, je suis passé, disons, facturé, tac tac tac, il m'a ressorti les trucs. Ah ouais, c'est bon. Bah, c'est ça, mais c'est qu'il faut pas lâcher l'affaire. Faut y aller au bon moment. Comment c'est le bon moment ? C'est vous-même. Alors. Faut pas se foirer. Tu passes aux choses sérieuses. En fait, je voudrais faire justement la. Ah, je fais une colo au Suchard. C'est bon la colo au Suchard. Ça met du volume. Ça tombe bien, on est en 3D là. C'est ça. Voyons voir. Mais qui est là ? Oh, 17h. Oui. Incroyable, ça passe trop. On me la bête. Ouais.
autre chose à se raconter. Même à la bourre dessus. T'as dit quoi? J'ai pas beaucoup avancé au final sur le dessin. Foncé. Donc là devant, tu te mets aussi foncé que la branche ici. Un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Punaise. Ça va, il n'y a pas d'enfants. Enfin, il y a des enfants dans la pièce, mais je veux dire, le YouTube est pas... Je te pique ton sopalin vite fait, je suis désolée. Ouais, ben non, non, il est là pour ça. J'ai fait le deuxième. C'est tellement l'habitude d'être dans mon truc. Ben oui, oui, on se fait vite. Que je... On prend vite une routine. Voilà, c'est ça. C'était parti sur ma façon de faire habituelle. J'ai vraiment beaucoup de mal à... Mais faut se forcer. Parce que le naturel revient. C'est ça. Là, du coup, je fais que des... Que des boulettes depuis tout à l'heure. Ok. On jouera un peu sur les ondes pour booster tout ça. Mais du coup, ah oui, t'as déjà tout fait en de plus en plus clair. Ouais, comme ça j'ai ma couleur. Et à chaque fois j'y rajoute un petit peu d'eau. Mmh. Et je passe aux orbes suivants, je rajoute un petit peu d'eau, je passe aux orbes de derrière. D'accord. Ben là, entre les deux derniers, j'ai pas rajouté d'eau parce que mon pinceau fait que une balance de la flotte un peu tout ça. Mais ouais, c'est un peu l'idée. Mais c'est vrai que c'est l'avantage. Après, je l'ai passé. Oui, c'est un avantage et un inconvénient. C'est une grosse surface que tu viens faire propre. Vu que ça va te mettre de l'eau, tu n'auras jamais quelque chose, tu vois, d'uni. D'où le petit format aussi. Ah, je trouve qu'ils fonctionnent bien ces pinceaux parce qu'ils vont t'amener tout ce qu'il faut en dégradé assez rapidement. Mais du coup, au niveau de mes grosses feuilles, là, j'ai intérêt de les mettre... Ouais, enfoncées. Les mettre enfoncées. Ouais, ce sera les couleurs les plus foncées. Et là, écoute, on va essayer de faire ça pour le... Pour les feuilles des arbres, j'essaie de rester en rouge. Je vais peut-être t'en mettre une pointe de quelque chose pour vraiment que ça soit poison en rouge. Un jour, je viens de te voir, je t'apporte une boîte de Ferrero. Mais un seul Ferrero. Ah non, bah faut pas. Une boîte avec un seul Ferrero. Non, ça va être, elle va mettre une boîte et elle va me dire, t'as le droit qu'il y a un seul. Ah. Jamais de la vie. Ce serait une vraie torture. C'est tellement dur. Ah ouais, non, non. C'est moi, j'ai une boîte, là, je bois tout. Hein. Je mange tout, là. Je bois tout. Mais moi, une soupe, on la mange ou on la boit? Une soupe, on la boit. Ah, bonne question. Pourquoi c'est toujours qu'on la mange? Est-ce que je me trompe? Bah, nous, on fait de la soupe assez liquide, hein, donc... On peut dire qu'on la boit. Bon, manger, c'est à partir du moment où tu mâches. On est d'accord? Ah, tu dirais pas ça, toi? Je sais pas. Tu n'aurais pas cette même définition. Non, non, justement, ça me pose la question. Je sais pas. Et du coup, tout à l'heure, tu as réussi à t'en sortir. Parce qu'effectivement, hein, manger une soupe, ça me semble pas du tout... Enfin, tu vois? Ça me semble juste repas. En soi... Pas... Ouais, tu vois pas ça comme une boisson? Bah, ça pourrait. Enfin, je sais pas. Je suis pas... D'ailleurs, tu t'es esquivé tout à l'heure quand j'ai commencé à te parler de la loi des séries. Ouais. T'allais dire un truc, tu te rappelles? Je sais plus. Et après, oh, je réponds à la dame. Ouais, mais je sais plus. Ah je suis plus trop sûr du truc. C'était un canon à photons, je crois, un truc comme ça. C'est... Je sais plus quelle expérience scientifique. C'était un peu sur le hasard. Tu sais, ça vient de la... Les théories quantiques, ouais. Quand tu regardes, ça force les choses à se fixer. Hein? Ouais, non, bref. Enfin, je crois que c'est pas vraiment ça. En fait, c'est quand c'est que la théorie quantique, tant que tu n'observes pas, c'est un état qui est pas fixe. Les deux positions sont possibles, voire toutes les positions entrent. Et à partir du moment où c'est au moment où tu l'observes que une des positions se fixe.
Donc c'est ça. Donc par rapport à la loi Besseri. Là, je sais plus, mais l'expérience c'était super sympa. Où c'était par rapport à un trou, et donc du coup les photons choisissent s'ils passent d'un côté ou de l'autre. Je sais même plus si c'est les photons. Enfin, ouais. On va pas se lancer là-dessus, je pense que je dirais beaucoup de bêtises. Oui, c'est dans le sens. Ouais. Après, moi, c'est très souvent hein, que je redis des choses que j'ai entendues en déformant à fond. Sur la théorie quantique, pour arriver à ne pas à redire des choses sans notre bêtise, c'est dur. Hein, c'est ouais, surtout la théorie quantique. Ouais, moi, souvent, pour moi, c'est des curseurs. Les vagues, ils apportent ce que tu as dit ou pas dont je me méfie. Tu vois, on me dit, oh, mais pourquoi la vague, tu chantes pas ouais, voilà. C'est bah, surtout que ça sert à te donner un cachet un peu scientifique. Peut-être que tu as un signal. Mais attends, je coupe la musique. Mais pourquoi Ajax ne chante plus en café, t'en jure. Je crois qu'il y a un petit curieux qui fait des blagues, je sais pas si tu les as vues. Avec les Ferrero Rocher. Mais non, pas toi, je crois. Il a pas tort quand on te dit mange ta soupe et bien vu, Ellie. T'as écrit Ellie comme le début de hélicoptère. Ellie, c'est E-L-I-E. Quand on dit c'est vrai qu'on dit mange ta soupe. Si t'as des pâtes, ça se mange. Ah, attends, tout le monde n'est pas d'accord. Mais parfait, on a lancé un débat. Si t'as des petites pâtes. C'est vrai, la purée, tu la mâches pas non plus. Non. Et tu dis qu'on mange de la purée. Ah, moi, j'étais partie sur le fait de mâcher. Alors, en théorie quantique, on dit que si on mange de la soupe, ça veut dire... Que la soupe est à moitié morte et à moitié vivante. Elle est les deux à la fois. Du coup, j'ai un très bon jeu de CT qui... Ah, il est génial. Ils ont fait un jeu de pli basé sur le chat Schrödinger. D'accord. Où en fait, tu joues à un jeu de pli, sauf que toutes tes cartes n'ont pas de couleur. Alors quand tu me dis un jeu de pli, c'est des séries de voilà enchaînées. Le petit tarot, le but c'est de faire le pli. Okay. En fait, c'est comme un jeu de tarot, sauf que au lieu que ça soit cœur, carré, tête, c'est rouge, bleu, jaune, vert, et le rouge c'est la toupie. Sauf qu'en fait, au moment où tu vas jouer une carte, ça va de 1 à 7, par exemple, ouais. tu joues de 1, et c'est toi qui décides de quelle couleur il est. Ok. En gros, c'est parce que c'est des chats, et du coup, c'est toi qui décides quelle couleur est ce chat-là. Sauf que bah, si tu joues un 1, bah, sur le tableau au centre, tu vas marquer que ça y est, le 1 vert a été joué. Et le suivant, du coup, bah, il va dire ok, bah, moi je suis renchéri, je mets un 3 vert, ok, maintenant le 3 vert est joué. Et l'autre, il dit moi j'ai pas de vert. Tu enlèves un jeton pour dire aux gens alors, maintenant je n'ai plus de vert dans mon jeu. Je considère que j'ai plus de vert parce qu'en vrai, il n'y a pas de couleur. Ok. Il n'y a aucune couleur dans le jeu, donc c'est toi qui dis ce que tu as, ce que tu n'as pas en fait. Et puis, non, mais moi j'ai plus de vert maintenant, c'est à partir de maintenant, donc je coupe. Donc je mets du rouge. Et tu joues comme ça en décidant si tu as la couleur, si tu l'as pas, tu choisis de perdre ou si tu choisis de couper et de gagner. Ok. Sauf que si à un moment dans ton jeu, tu te retrouves avec des cartes qui n'existent plus, parce que t'as un 3, mais tu n'es plus censé avoir de vert, le 3 qui reste, il est en vert, bah, du coup, c'est un paradoxe. Et la partie s'arrête. Ok. Et franchement. Quand t'expliques le jeu comme ça paraît un peu tordu. Oui. Moi, quand il me l'a raconté la première fois, t'as compris quelque chose là ? Ouais, ouais. Ah ouais. Ellie ! J'aime beaucoup les jeux, moi j'en fais pas mal. Hein. C'est vrai, un chat dans la boîte. Cat in the box. Non mais On pourrait être droit. Tu fais des coups en plus à ton bras cassé. Aïe aïe aïe. Bah, tu vois là, regarde. Mon rouge, quand j'ai mis une pointe de marron, je le préfère largement ici que là. Oui. Tu vois, comme mon jaune est un peu trop pétant. Ouais. J'ai perdu en unité. Il faut que tu mettes du rouge aussi dans le sol. Ça pourrait. Une légère teinte. Je sais pas si je vais tout refaire. Non, je suis désolé, hein. Moi j'ai complètement. Non, mais pas en freestyle. J'ai complètement lâché, je suis en freestyle total. En freestyle, ça veut dire... voilà, j'improvise. Je suis une grande improvisatrice.
Est-ce que tu connais le chanteur Gérald Gentil? Oui. Tu l'aimes bien? J'avais adoré, moi, son premier album. Ah ouais, avec les blagues. Un blaireau. Il vient en concert chez nous, normalement. Non. Si. Chez vous à la maison, là? Oui. C'est pas vrai. Au mois de juin. Alors, je confirme, mais... Sauf qu'il faut qu'on... Ouais, confirmer, normalement, c'est le 15 juin. Alors, il y aura... c'est l'entrée sera payant sur 12 euros, je crois. Ouais. Fils, et... ouais. En fait, il fait une tournée des maisons. Et on s'est proposé, il a proposé aux gens... un lieu d'accueil. Ok. En France, c'est... Je rappelle, je mais ça fait. Veut dire qu'il faut quand même qu'on trouve du monde. Il faut payer. Ah bah allez, oui, musicien. Sinon, c'est nous qui payons. Moi, j'ai dit à Sam que ça me stresse. Et si on a personne et qu'on doit tout payer. Je comprends. Mais voilà, donc si ça t'intéresse... Mais grave, tu me le rappelleras. Ouais, faut que je relance pour être sûr que de m'aider avec un jour. Parce que... Il m'a proposé, j'ai dit oui. Vous allez avoir personne, tu peux voir. Mais on rentrera dans la maison. Si, il peut, on rentrera dans la maison. C'est vrai qu'idéalement... On sera un petit peu serré, mais on aura chaud comme ça. Évidemment, on peut pas que c'est en extérieur. J'avais les deux premiers albums. Ouais, ben nous aussi, c'était nos préférés. Le troisième, on a... C'est le troisième qu'on a moins aimé. Il y en a eu un qu'on a moins aimé. Il y en a un qu'on a moins aimé, et il y en a un qui était très particulier, qui était très court. Il y avait genre 40 ou 50 pistes. Ah oui, d'accord, ok. C'est un peu conceptuel. Un peu à la Wall-E, quoi. Je sais pas si vous connaissez. Non. Il y a toute une série comme ça, et c'est vraiment, des fois, c'est quatre phrases, la chanson. C'est des concepts, et il joue beaucoup sur les jeux de mots, sur les blagues, sur... C'est un sacré personnage, Wall-E. Ok, attends, je me mets un peu plus. Non, je pense pas, on a vraiment l'impression que t'as mis du rouge à lèvres, c'est tout. Un peu de jaune. Voilà. Ah. Non, mais en vrai, dans tout, c'est les mélanges. C'est vraiment le fait de mélanger qui apporte un petit truc en plus. Et bien, j'ai découvert. C'est pour ça que j'aime pas trop les prendre telles quelles, parce que des fois. Ouais, grâce aux coloristes, j'ai découvert des nouvelles peintures où en fait, c'est dans l'aquarelle que t'as deux couleurs mélangées. Et du coup, quand tu viens peindre, ça te crée du... Ah oui, ok. Tu connais? Non. Non, mais je vois à quoi ça peut ressembler et comment ça peut fonctionner. Et si tu veux, essayer, je peux te... Ouais, je serais curieux. Alors du coup, effectivement, ça donne des trucs très esthétiques. C'est très sympa, j'aime bien. Même si, quand je les utilise, j'arrive quand même à les... Parce que moi, je mélange toujours à fond. C'est le orange et il y a déjà les vêtements dedans. Si vous voulez vous préparer d'ailleurs, ce sera plus. Ali, tu vas préparer ton sac. C'est l'orange. Moi j'ai déjà fini. Comment ça, t'as déjà fini? Non, j'ai préparé quelque chose de trop lourd. J'étais à. Mais non. Mais si tu veux, tu peux déjà ranger tes affaires. On va voir. Donc ouais, c'est marrant, j'ai un gentil qui l'a contacté sur Facebook en disant bah là, qui, en fait il fait une tournée là, comme qui commence début à... même genre, s'il fait pas même si... Non, il commence au mois de mars jusqu'au fin juillet. Et il joue quasiment... Il est en train de se booker tous les week-ends, vendredi, samedi. Inaise. Et ouais, et le but, c'est vraiment d'arriver à financer un cachet d'intermittence à chaque fois. Donc, il va se faire son intermittence, je pense, cette année, comme ça. Il est très très fan de Mathieu Bogart. Moi, que j'aimais beaucoup aussi. Et dans le promis, il y a une petite ref. Enfin, il est tout content, il disait qu'il avait... Il était trop heureux qu'il y avait Mathieu Bogart sur un de ses trucs. Et je sais pas si vous vous souvenez de la... Hubert Lurlu. Ouais. Lurlu. Ouais, enfin, bon, bref. Vous allez arriver. À un moment, il dit qu'il croise son idole. Et je croise mon idole. Et t'entends le tuk-tuk-tuk. Et ça fait quoi? Et bien ça... C'est Mathieu Bogart. Il était trop heureux de le clavoir, il y a juste ça. Je pense que c'est la petite rêve perso. Mais voilà. Et effectivement, tu reconnais qu'il y a quelque chose d'un peu... Tu ressens l'inspiration.
Il était en concert à Limoges. Il y avait une soirée à John Lennon où il avait un. Lui, derrière, il avait des souliers sont rouges. Ah ouais, ça me passe. Et donc, on était trop contents de qu'il se passe à Limoges. Et en fait, on voit sur place et tout, trop content. Et puis, on était tranquillement chez nous. Et je vais sur Facebook et je suis un photographe qui fait beaucoup de backstage. Et oui, ok, je vois. Christophe Pence. Oui. Oui, c'est ça. Et du coup, je vois sur son Facebook les photos de la répète du concert. Ok. C'est bizarre, il répète la veille. Je suis sûr qu'on était juste. Que c'était le lendemain, tu vois. Ah non, dommage. Là, je regarde. J'avais là, non, dommage. Donc, c'était maintenant. Donc on est parti en catastrophe. Je dormais, moi. Finalement, toi, tu vois, t'es en pige. Et j'étais même dans mon lit, Sam, j'étais en train de. Je sais plus, on est parti en catastrophe et on a loupé, du coup, on dit le concert. Ouais, mais vous en avez quand même vu un bout. On est arrivé à la minute du set de. C'est les boules, quand même. Gérard Gentil. On était un peu dégoûté. Et moi, j'adore parce que du coup, c'était en acoustique, tu vois. Je préfère largement John Lennon ou des petites salles. Ah, moi aussi. Genre le Zénith, mais je suis toujours. Je déteste. J'ai pas l'impression d'être. Non, puis en plus, c'est vachement plus cher. Tu vois de loin. Enfin, mais oui, je comprends pas le. Tu perds tout le côté humain, je trouve. Enfin, je sais pas. Alors après, bon, tu les croises plutôt au début aussi. Hein, mais moi, je sais que j'avais vu deux fois M à Lennon. Ah ouais. C'était son tout premier... Non, deuxième album. Son tout deuxième... Le deuxième album. Et incroyable. Lennon, il est en face. Et le mec était en feu. Il commençait à nous faire Hendrix à jouer avec les dents. Enfin, ouais, c'est ça. C'était incroyable. Ça n'a rien à voir. Quoi. Bon, après, M, c'est toujours bien, en live, parce que je l'ai revu dans des grosses salles et tout, c'est un... C'est quand je vous parlais de grosses salles, j'allais dire que l'exception qui confirme la règle, c'est vraiment concert. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres qui étaient hyper déçus et... Je suis d'accord, mais quand même, moi, à choisir, j'ai préféré Gérald Gentil tout seul que M au Zénith. Ah oui, mais c'est différent, ça dépend vraiment de ce que tu viens chercher, ouais. Effectivement, je peux comprendre. J'ai besoin de ressentir... La proximité. Ouais, c'est ça. Et puis bon, le côté acoustique, il y a quelque chose de beaucoup plus doux aussi. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Ouais, quand t'as des... C'est Tété aussi qu'on avait vu comme ça, qui avait fini son concert en acoustique. Tété ? Ouais. Non, j'adore. Ah ouais, génial. Super guitariste, super... Bref. Super. Super. Tété, incroyable. Alors, faut que je mette mes petites ombres sur mon coussin. Alors moi, mes ombres, je fais tout en violet. Non. Parce que ça me donne l'avantage que déjà ça va être une couleur légèrement froide, tu vois, avec une teinte de bleu comparé à mes couleurs qui sont plutôt chaudes, et ça me fait des contrastes très rapidement sans que j'ai besoin de. Sur le mien, du coup, tu ferais quoi pour faire les ombres? Je ferais du violet aussi. Le violet, c'est le côté passe-partout. Hein. Non, mais c'est vrai, on l'utilise vachement, vachement souvent. Ça peut aller, ça va à peu près avec toutes les couleurs. Mais là, ça va, ils font le sac. Ouais, mais ça va pas durer. Je sentais exactement ça. Du coup, j'ai fait une colonne à façon. Ouais, bah de toute façon, oui. Du coup, Ophélie, ouais, je pourrais pas te dire mon morceau préféré de... Mes souliers sont rouges parce que, enfin, en plus, on est. Marche, moi, je connaissais un peu quand on est vraiment allé à la soirée pour Gérald Gentil. Et j'ai pas assez écouté mes souliers sont rouges pour être capable de donner des noms de morceaux. J'ai dû écouter plusieurs fois les albums. Après, j'ai plus de musique. Quoi. Quand j'ai déjà des faces. Beaucoup de musique maintenant. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais voir des faces comme ça. Oui. Bon, je l'écoute toujours pas mal. C'est vrai que quand j'y pense, j'écoute très très peu de musique. Je vais adorer quand on a un copain qui est musicien, qui va venir faire du piano ou de la guitare, je vais pouvoir l'écouter pendant des heures. Ah ouais. Mais au quotidien, tu vas pas avoir le réflexe. Ouais. Moi, souvent, c'est les premiers trucs qu'il faut que je fasse. Ah ouais. Mettre un peu de musique.
Après, souvent, quand souvent même, je me réveille avec des morceaux déjà dans la tête. Ah oui, alors ça, moi aussi, par contre. Donc, ça va, ça peut lancer un peu la machine. Oui, du coup, ça te donne envie de l'écouter. Ouais. Je crois qu'il faudra quand même que je fasse un contour au noir, hein, parce que... Un petit ancrage. Ouais. Oui, oui, moi aussi, c'est en train de se... Parce que... Force, on voit plus grand-chose. On serait resté, oui, on sait pas si on est passé à les collines. Ah. Je me disais au moins, ben c'est bien parce qu'on a du contraste et de la puissance. On serait resté à l'aquarelle. On aurait oui, moins eu. Ouais. On n'aurait pas trop eu ce problème-là. Ça serait léger et on aurait vu quand même les. Tu vois, c'est ces peintures-là que tu pourrais essayer si tu veux. Ouais. Alors, celle-ci, c'est beaucoup mélangé à des paillettes. Ouais. Et celle-ci, c'est vraiment. Ça te fait. Ouais, ça te fait des... Je suis un peu moins fan de la paillette. Oh, comment ça c'est que t'es moins fan de la paillette? Non, mais j'en ai acheté. Alors j'en ai acheté par mégarde, mais j'en ai acheté. J'aime bien le par mégarde. Non, je l'ai pas fait exprès, je croyais qu'il n'y en avait pas. Et après, quand je l'ai passé, je me suis dit, ah, mais il y a des paillettes. Et en fait, surtout que... Mais en fait, tu les vois, tu le vois que sur le dessin original. Eh oui. Les paillettes, ça va pas forcément rendre... Par contre, ceux qui ont de la paillette, quand je scanne, les couleurs sont vraiment très très belles quand même. Ah ouais? Ouais. Même si on voit plus les paillettes au scan, je suis très très contente du rendu quand même. Je vais peut-être vous mettre le lien si vous voulez envoyer vos dessins, parce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui aient déjà fini. Oui, c'est vrai. Ça aurait été plus rapide que... Oui, je pense. Ça doit pouvoir exister. Tu sais que ouais, c'est très souvent, hein, moi que j'ai pas fini mon dessin, t'en as qui ont déjà envoyé le leur. Je peux comprendre. Mais du coup, je vais vous mettre le lien, comme ça. Vous allez pouvoir commencer à envoyer tranquillement vos dessins. Miss Kaline qui dit live colo. Ah oui, bah oui, du coup, on est c'est live dessin colo, effectivement. Tu fais un live par Patreon, on paye les 2 euros. J'adore mes sujets sont où. Ah bah, il avait. Moi, c'est l'arbre et dans ses feuilles que j'aime bien. Vous avez déjà testé l'aérographe Flore et Remingo? Moi non. Non plus. Je vois bien ce que c'est, mais... Merci, petit écureuil, t'es au taquet. J'ai pas mis le fond d'exploration. La petite écureuil qui a déjà mis le lien sur... Son dessin. Non. Et du coup, ils font comment pour te les envoyer? Les dessins. Et ben, en fait, il y a un lien. Et du coup, ils cliquent sur le lien et t'as toute la petite démarche pour envoyer le dessin. Ok. Et après, il faut que j'appelle Sam pour, pour qu'on les regarde. Parce que ça, c'est pas vrai. J'ancre au moins le premier plan. T'as dit quoi? Je pense qu'il faudrait au moins que j'ancre le premier plan. Ah oui. Tu vois. Peut-être en épée et puis après. Soit réduire un peu les épaisseurs de traits, dès que tu vas reculer un peu sur tes tes arbres. Mais toi, ça marche bien, hein. On a bien la profondeur des arbres. Moi, un je pense peu, que ouais. Si tu ancres le premier, ça va être cool. Ouais. Et t'as vu là? C'est du violet, quoi. Ah ouais, oh, j'adore comment ça rend, en plus le fait que c'est... Il y a quelque chose, hein. Ah ouais, carrément. Même là, sur mon jaune, c'est du violet, enfin j'ai du violet partout. Dès que je fonçais, alors qu'on va pas voir le violet, on pourrait se dire, ben non, mais c'est bizarre. C'est génial. Et c'était vite de faire un rouge plus foncé, un marron plus foncé, un jaune plus foncé, tu vois. Et en plus, ça va te créer une unité. Et ouais, c'est marrant comment le violet marche trop bien, en fait, en nombre. Ouais.
Mais ça avec une collègue de boulot. Oui. Bah oui. Qui donne des ateliers avec moi, qui fait pas mal de colo aussi. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, bah, on peut s'échanger des choses. C'est ce qui est cool. Et le violet, je sais plus. Et je crois qu'on faisait déjà tous les deux. Le côté. Mais... J'ai trouvé ça par deux lieux différents, enfin, tu vois, deux techniques différentes, mais ça fait. Non, ça me donne une teinte. Alors, au choix, si tu peux avoir un violet qui serait légèrement plus bleu, tu vois, t'as un violet qui tend oui. déjà un petit peu vers des couleurs chaudes, voilà. Et oui. Tu vois, là tout de suite, le contraste va ressortir tout seul. C'est un peu ce qu'on a. Je m'en sors vite fait, mais c'est un peu ce qu'on a là. D'ailleurs, en termes de couleurs, les deux sont très pâles, mais ça tranche à fond, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que ça. Parce que c'est toujours cette histoire de chaud-froid. Mais ça, j'ai trouvé ça dans. Ouais, t'en avais parlé la dernière fois. Le Guarnido. Un livre de Guarnido. Il donnait des petites techniques pour l'aquarelle et il parlait beaucoup de ce truc-là. En montrant des rendus sur ses travaux. Et... Le problème pour ancrer, c'est qu'il faut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour ancrer, il faut que ce soit ultra sec. Ouais, bon, en vrai, on peut regarder les dessins en attendant. Comme ça sèche. Ensuite, on peut ancrer. Il est mignon ce petit piou-piou. Si. Sam, on peut commencer à afficher les dessins? Pardon, je regarde le temps, je me dis, ce n'est pas super bien vu le vélo. Sur le moment, je me suis dit, tiens, il y a du soleil et tout, mais c'est oui, trop c'est bien. Beau, et là, t'en pourris, quoi. Non, mais au moins, ça te fait la douche en même temps. Pas faux. J'arriverai propre. J'arriverai propre. J'aurais juste à mettre des fringues sèches. Ah, c'est sûr que c'est vachement moins agréable quand il pleut. Et puis ça devrait le faire. J'ai vraiment fini un peu les yeux. Ouais, vraiment, là, c'est le cas. Je les ai positionnés, mais. Je me suis dit, je vais plutôt le faire enfoncé. Oui, c'est. Les yeux, ça fait tout. Ça joue beaucoup, hein. Ah, bon. C'est hyper important. Il faut le point d'interrogation. Mais non, c'est un point d'exclamation. Et je l'avais fait, t'as vu, et ça a pas marché. Sur quoi? Ah si, ça a marché. Du coup, c'est qu'on l'a fait trop vite. Parce que, en fait, j'avais mis juste dessin, mais c'est que mon point d'exclamation était pas passé. Pour, okay. Tu sais, pour mettre le lien pour le dessin. Et du coup... Je suis toujours dans le taxi, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas pris son route. Oh punaise, mais tu vas être en retard du coup. Oui, je pense qu'on a découvert ma technique quasiment en même temps, Rémi. Ah, c'est Marie qui est là. Mais c'est Jamie. Oui, c'est elle. Mais ça fait longtemps qu'on discute avec elle. Elle est hyper douée, hein. Je suis la collègue. Ah, mais on découpe ça que maintenant. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, ouais. Donc du coup, Jamie, ouais, tu fais de... Bah, mais... Ton Insta, c'est ouais, Jamie... Comment c'est le nom sur ton Insta pour qu'on puisse aller chercher, voir ce que tu fais. C'est pas grave, ou quoi? Ah, vous allez pleurer, hein. Maintenant, c'est le poussin de l'or qu'aura la cataracte. Trop génial, le coup de violet, ça marche aussi avec les feutres à alcool. Oui. Bon, et Marie, j'espère que tu glandouilles bien. Tu sais qu'elle a ses petites. T'as dit quoi? Est-ce qu'on commence par les dessins d'hier? Si vous voulez. Pourquoi?
Jamie Sketchbook. Je dis ça, mais il n'y en a pas. Merci, on ira voir du coup. Oh, faut pas exagérer, Rémi. Elle s'appelle comment, tu m'as dit ? Marie Portejoie de son vrai nom. Ah, mais je crois que je te connais. Oui. Elle, tu as fait un moment des ateliers à... je crois que c'est... que tu faisais des ateliers chez Artisfactor. Ouais. Et elle avait pas, t'avais pas commencé un projet aussi avec Mickaël ? Qui est pas arrivé au bout. Hein. Ouais, hein, c'est ça. Okay. Donc j'avais déjà... oui, j'avais vu ton travail, c'est trop beau ce que tu fais. Bah, j'avais vu tes illustrations du coup par Mickaël. Tu m'avais montré un peu ce que vous aviez fait. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah, ses enfants sont malades. Non, ils n'ont pas pu partir. Ils devaient partir. Tes vacances sont mortes. Oh, les boules. Ça, c'est dur. Alors, j'ai ma séance à 18h. C'est juste qu'il vient une heure avant me chercher. Sinon, je n'ai aucun taxi disponible. Les taxis conventionnés, c'est très, très difficile d'en trouver en Île-de-France. Ah, ok. Nigo, c'est bon ? Ouais, Nigo. Sympa. Attends, je vais me pousser pour que... Non, mais je continue à pousser. Tu peux te pousser à ah si, il y a déjà des poussins. Punaise. Ouais, t'as vu ? On en a eu des dessins. Au début, je voyais rien, puis après, je suis partie en freestyle. Bon, ma perspective est à ma façon, mais ça reste joli, je trouve. Merci pour le live, Laure et Nigo et Sam. Ouais, c'est et cool. Bravo pour vos dessins. Effectivement, on est plus de face, là. Oui, mais on sent qu'il y a une tentative, on voit sur le nid... Mais ça marche vachement bien. Là, c'est des bons exercices, quand même. Ouais. Oui, parce qu'il y a l'épaisseur de la forêt. Par contre, en fait, on a bien, bien la profondeur. Bravo, les filles, c'est trop cool. Ouais. Stéphanie, voilà. C'est elle qui, que je t'ai dit qui était architecte. Ah, bah oui. Oh là là. Ça va, elle a géré un peu. Voilà, pas de soucis pour la profondeur. Arrière-plan flippant sur ce pauvre tchoupiou du mignon. Le monde est trop cruel. Ouais, mais c'est bien le contraste. Tes arbres, ils sont trop beaux aussi. Là, l'arbre sur la droite, j'adore. Il ressemble à un mini pigeon avec son aile foncé. Bravo Stéphanie, il est trop chou. Petit écureuil qui est arrivé très très tardivement au fond de la ligne. Oh, bien aussi. J'adore. J'aime vraiment beaucoup comment tu as travaillé ton arbre. Les ombres et le fait d'avoir un peu de marron comme ça. Je trouve le graphisme magnifique. T'as vu ? Oui. Mais j'ai fait exprès de pas tout colorier. Ouais, c'est ouais. Sympa. Voilà la couleur autour du personnage. Arrête, Exali. Je trouve que ça apporte vachement de plus. 10. C'est rien. 6. Ah, on a bien le... Alors là, on a bien la perspective ouais. Et la vue dessus. C'est trop mignon. Bien joué. Bah écoute, bien joué hein, d'avoir rattrapé comme ça. Bravo. Oui, surtout qu'on s'est... Enfin, je me suis beaucoup dispersé. Je me dis qu'il n'y a pas que moi comme ça, tu sais, ça me rassure. Oh, c'est trop assuré. Mignon, regarde le petit écureuil. Ah, nickel, les arbres. Dans la profondeur, t'as pris le temps pour faire les feuilles par feuille. Ouais, c'est clair. Bravo. On a toutes les feuilles. Et c'est rigolo parce que la façon dont t'as mis les racines, on dirait qu'ils sont sur des collines un peu. Oui, ça fait pas tout plat, c'est trop chouette. Oui, j'ai fait un peu mieux. Bravo Namalou. J'adore cette petite couette. Ce petit pic sur la tête. Ça donne un petit côté pivert. J'aime bien aussi le côté gribouillis là au niveau des arbres. Ouais. C'est intéressant. Ben, en tout cas, je dirais quand même, tu as gardé ce côté où le premier plan est assez foncé. Tu sais que j'ai commencé en inverse.
On a sur super fort mes armes fond. Et là, j'ai eu un flash en mode. Ah non, c'est pas possible. Normalement, l'atmosphérique, le truc de l'atmosphère, c'est l'inverse. Là, j'ai regardé ton dessin, j'ai fait. Ça peut se tromper, donc j'ai gommé. Ça peut, mais tu vois, tu peux avoir le rendu. Ouais. T'as un rendu un peu inverse, quoi. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à faire plus penser au fond à chaque fois. Ça dépend ce que tu veux comme ambiance. Ouais. Tu vois, celui-là va avoir ce côté un peu plus flippant où on sent que c'est. En fait, ça vient du sombre. Hein. Et là, ça apporte les lumières. Donc voilà, en fonction de l'effet tout que tu veux rendre, tu peux. Que ce soit flippant ou lumière. Ouais, c'est ça. Et Anne, je l'ai fait trop vite, il ne me plaît pas. Je vais recommencer une telle. Ah bah écoute, moi j'adore tes couleurs au niveau de ton paysage. T'es en train dedans. Mais t'as ta petite branche là devant en premier plan. Faudrait pas hésiter à la faire traverser dessous le nid. Parce qu'on a l'impression qu'elle est du coup pas en face. Alors on peut imaginer qu'elle est tordue dessous, hein. Mais. Et puis bah, même pas. Plus grosse, parce que comme ça, on aura vraiment la sensation. C'est un substrat, ouais, ouais. Très très épais. Oh mais il est cool, hein. C'est une bonne base déjà. Bah ouais, moi je trouve j'adore les couleurs. C'est que, les yeux sont pas finis aussi, c'est vrai. Ça change, ça joue beaucoup, beaucoup. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment. Crage. Bisous petit écureuil, merci d'avoir été là, c'était trop cool. Zazabelle. Oh punaise. Trop cool, j'adore, chouette. Merci vous deux. Oh là là, le travail, ça marche trop cool. Avec les chouettes et tout. Ben voilà. Bah voilà, parfait. Bah voilà, c'est... Une belle profondeur, un petit chemin et tout. Parfait. Non, t'as assuré, Zazabelle. Trop chouette. Et bon, on a eu quelques dessins quand même. Ouais. Parce que je crois que. Ça aussi, quand même, c'est beaucoup. Merci. Il faut que je fasse les yeux. Faut quand même qu'on voit ce que ça donne avec les yeux. Merci. Je me sens moins seul. Et ouais, il fallait deux être en vélo sous la pluie. On est dans les défaits makers. Vous êtes des vrais de vrais. Ah ouais. Je suis fière de vous. Mais pour la prochaine fois, je regarderai la météo quand même. Voilà, avec les yeux. Là, il va falloir que tu fasses. Oh, il est beau. C'est vrai que dès que tu mets tes. J'adore ta façon d'ancrer. Ben, ça, c'est vraiment venu avec le pinceau parce que, ben, comme beaucoup de personnes, tu sais, quand tu rentres, tu as toujours l'impression de perdre au départ. Ouais. J'ai essayé plein de versions différentes. Et au début, je le faisais très, très. Des ancrages très, très soignés. Très, très propre. Des fois, on me dit, mais c'est une impression. Et en fait quand c'est trop régulier et trop propre, ben, ça fige le dessin. Et, ouais, et je trouvais toujours que j'y perdais. Donc pendant un bout de temps, je faisais que des crayonnés. Et là, je me fais un petit peu plus plaisir avec ces. Ah, ça apporte quand même vachement. Hein. Ouais, ça peut donner un peu de contraste. Ça peut jouer aussi un peu sur les textures. Bref, c'est sans fin. Mais des fois, c'est juste que c'est ça. On n'a pas forcément trouvé le matériel qui nous convient ou la méthode. Et du coup. Jamie, attends, c'est Jamie. Oui. Fais des dessins avec nous. On aurait voulu voir ta version. On n'a pas vu de dessin de tes élèves aussi. Non. Zazabelle, une tuerie comme d'habitude. Sam, j'adore en mode punk. Ouais, carrément. Une petite tête. Ah oui, elle dit, et oui, donc Marie, oui. Elle dit, et oui, pas de semaine de vacances pour moi. Oh, oh c'est dur ça.
Elle est reportée la semaine de vacances? Ça a dû être une sacrée déception. Parce qu'on en parlait, elle était trop contente. Ah, trop bien, j'ai mis son pour moi et tout, c'est trop cool. Je vais pouvoir dessiner, faire ceci, cela. Parce qu'en fait, ses enfants devaient partir en vacances, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, tout le monde partait en vacances. Et elle avec le papa, elle est restée là il y a quelques jours, donc elle était contente. Est-ce qu'ils partent la semaine prochaine, du coup? Je suis arrivée trop tard, je n'en suis que crayonnée. Ah, t'as quand même fait, trop bien. Faudra pas que t'hésites à l'envoyer, on le verra la prochaine séance comme ça. Du coup, vous faites régulièrement des séances d'essai ensemble? Oui. Des fois, on traîne entre les ateliers. Bon, il y a ceux qu'on fait entre... On a plus qu'un atelier commun, là, maintenant. Avant, on faisait deux ensemble en même temps. Ah. Mais là, je reviens toujours un petit peu avant. Enfin bref, on trouve toujours un peu de temps pour dessiner. Et puis, on mange tous les samedis aussi ensemble. Enfin, on va faire blabla. Oui, d'accord. C'est cool. On se montre les projets, on se donne des idées, on se raconte des trucs. Donc, c'est cool. Ah, c'est ça bien. Se nourrit, tu vois, même au niveau des techniques. Toi, t'es en train de bosser ça. Ouais, c'est super. Bien, pouvoir échanger avec d'autres. Avec d'autres dessinateurs, ouais. C'est trop bien. On apprend vachement, en fait. Oui. Ah bah ouais, c'est sur les manières de faire. Et même des fois, même pour découvrir d'autres dessinateurs. Elle nous a ramené plein de dessinateurs que je ne connaissais pas du tout. Ah. Tu vois, les versions de personnages de comics repris un peu à la japonaise, en traditionnel, enfin... Des super rendus, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est trop donc, cool, il y a des univers comme ça qu'on ne connaît pas forcément. Bon, il y a des artistes qu'on kiffe, qu'on a en commun, mais en fait, il y a tellement de choses et tellement de gens différents que... Pour les histoires, je sais plus, mais il fait découvrir Becky Cloonan aussi. Très douée. Je connais pas. Tu connais pas? Non, pas du tout. Elle fait pas mal d'histoires assez courtes. C'est des trucs qu'il doit faire entre 15... 10 et 20 pages, on va dire, par histoire. Ah oui, ouais. Et elle arrive à te poser des ambiances ou des trucs directs, tu as juste envie de savoir la suite, mais des fois c'est juste fini, mais... Trop bien. Ouais, c'est vraiment bien raconter des histoires, ça c'est... indéniable. Becky Cloonan, très bonne dessinatrice aussi, enfin bref. Attends, je sais pas. Il y a des gens comme ça qui sont... Regardez sur mon téléphone. Ouais, Becky Cloonan. Tu vas me dire comment ça s'écrit. Attends. Non, bonne question. On va demander à Marie. Comment ça s'écrit, Marie? Cloonan ou Cloonan? Pas sûr qu'il puisse partir, ça va dépendre du temps qu'on va l'essence. Ma fille a une double otite. Oh, merde. Bah, elle doit être sous antibio. Après, si elle est sous antibio, en vrai, en 48 heures, c'est bon. Hein. Alors, Becky, je crois que c'est un I ou un I. C'est K, c'est KY, je pense. BKY. Et je pense à un CL. Ouais. Ouais. C'est bon. Tiens, j'ai mis sa tête. C'est ça? Ouais. Merci. Merci. Ah ben voilà. Ouais, ouais. On a trouvé avant. Ouais, c'est Cloonan, okay. En fait. Mais on a trouvé. Non, j'ai dit mal. Tu sens que quand même, elle... on aime beaucoup Cosmic Spectrum aussi. Oui. Très, très doué. Je vais voir. Je la trouverai sur Insta. Cosmic Spectrum. Ah ouais. Ouais. Il y a les trucs qu'elle fait en traditionnel, c'est incroyable. Ah ouais. Elle a fait une série comme ça, c'était juste des ambiances, mais un peu couleur chaude là, comme on a fait ce soir. Ouais. Oh, incroyable. Donc ouais, des fois on essaye de reproduire pour essayer de comprendre.
Des fois ça marche. Ce sont des échecs cuisants. Le dernier mois a été un échec cuisant. Je crois que c'était Biki Kumal en plus que j'avais essayé de voir. Vous connaissez Louis? Oui. En fait, exceptionnel. Louis, tout le monde la connaît. Ah non, mais elle est trop forte. Ça fait vraiment partie des préférés. Je sais plus combien la personne qui la suit, c'est juste. Qui? Louis. Ah oui, 100 millions. C'est énorme. 100 millions. Ouais, mais elle est hit. C'est ça, 100 millions. Ça a encore augmenté. 100 millions, je sais pas, non, je disais ça en millions. Ah, en 100 millions, oui, ça me paraît beaucoup. Oui, mais c'est 100 millions. C'est en millions d'abonnés que ça se compte, ouais. Non, mais. 19, moi, mais... En plus, elle est très très forte parce qu'elle a vraiment son style à elle. Ouais. Elle est capable de faire plein de gabarits différents. Il y a un oui. travail de la colo qui est exceptionnel. Ça, c'est. Ouais, c'est clair. C'est le top niveau, ça. Elle fait pas de livres, par contre. Si, vraiment, tu trouves. Il y a 3 artbooks qui oui, existent. Des artbooks. Mais si tu veux, elle va pas faire d'histoire racontée. Tu vois, elle fait une création à chaque fois. Ouais. Et les seuls bouquins qu'elle sort, effectivement. Mais après, voilà, c'est des artbooks où elle explique un petit peu ses méthodes de travail. Tu en trouves pas mal de choses. Là, j'ai vu qu'elle sortait un jeu de cartes en gros. C'est super sympa parce que moi, tu vois, quand j'avais acheté son livre, le problème, c'est que tout est écrit en anglais. Tout ouais, ça. Alors maintenant, ils sortent en français. Le dernier, tu peux le retrouver en librairie ici, là. Ah ouais? Ouais. Tu le trouves en librairie, il a été traduit. Ah, alors ça, je savais pas. Elle a peut-être signé avec des éditeurs, du coup. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit, tiens, elle est super forte, elle a 10 millions d'abonnés. Oui, ça peut-être pas mal. Il y a certainement moyen de faire un petit billet. C'est clair. Mais justement, le côté des cartes là, qu'elle a sorti, bah, c'est cool parce qu'au moins, tu as vraiment toutes les illustrations qu'elle a fait sans forcément avoir. Non, c'est bien. Non, c'est des jeux de cartes tarot, tu m'as dit. Non, non, mais pas, c'est juste, c'est des petites cartes d'art, quoi, du coup, ça ressemble au format tarot, mais... Faut que je regarde, c'est ce que je vais faire, moi, pour Cléo. Ah, c'est Noël bah, prochain, c'est vrai, parce que j'en ai plein, avec des costumes et tout, tu vois. Ah bah non, mais j'ai Et je me suis dit que ça, j'allais me le tenter. Ouais, c'est une super idée. Je trouve ça très agréable d'avoir les illustrations en carte. En plus, ça veut dire que tu peux, celles qui te plaisent, tu peux les... C'est ça, vraiment. Zazabelle, c'est quoi son nom? Le nom de qui du coup? Parce qu'on a parlé de plusieurs. Peut-être Loïc. Je te mets le nom de Loïc. L'Insta, c'est Loïc VB, je crois, sur Insta, si tu la cherches. Ah bah, Miscaline connaît Comics Spectrum. Oh waouh! On joue sur les épaisseurs, ça va nous booster la profondeur. Ouais, ça joue vachement. C'est dès que tu cumules le tout après, mais c'est jackpot. Mais... ouais, moi j'ai trop. J'ai tout. En fait, le problème, c'est que j'ai pas laissé de blanc du tout. Ça, c'est pas bien. Oh. Enfin, toi, tu peux le rajouter après, mais... Oui, oui. Ça manque de lumière. J'aime bien ce côté un peu à l'arrache, moi. En plus. Tu vois, le côté pas fini, ça peut rajouter des lumières. Non, non, mais... Et le mais fait, oui, tu vois, que t'es parti des fois... C'était le mien que je disais que ça manquait de lumière, ouais. Que, effectivement, quand après, tu peux en rajouter, quoi. Oui, oui. Il y a toujours moyen, mais... Ouais, je comprends. Okay, j'ai un peu la flemme aussi. Juste nous glisser lui là. C'est pareil, ton petit bec il est trop mignon. En fait, c'est un losange et t'as un côté ouais, qui en fait, dépasse c'est... un peu. C'est un peu pareil, c'est que je le pense en 3D quand je le fais. Là, vraiment, je fais mon petit truc comme ça, mais je les ai bien de l'autre côté, tu vois, ça va redescendre, que je vais avoir. Enfin, je sais pas comment le dire. Tu vois, derrière, il serait fixé comme ça, que du coup, me bouche en dessous. Je partirais très légèrement d'ici. C'est pas clair du tout. Mais, ouais, j'adore, mais c'est un truc qu'il faut essayer, ouais. Il a vraiment ce petit côté tout mignon. Je suis sûr qu'on pourrait...
deux, trois points de lumière. Du coup, les jumelles, on dirait des, des lunettes. Oui, je les ai virées. J'ai laissé. Il a un petit côté Harry Potter. Voilà. C'est des grands yeux ou c'est des lunettes, mais les jumelles, oui, j'ai abandonné. Je me suis dit que ce serait trop compliqué. On verrait rien, on comprendrait pas. J'ai abdiqué. Oui, tu me diras, Isabelle, ce que t'en penses de Loïc. Mais bon, en général, je pense que tout le monde aime. C'est. Ouais. Je pense. Bon, il y a peut-être des gens que ça parle. Enfin, ça peut ne pas toucher, mais. Oui. Mais bon, quand tu vois le nombre de personnes qui la suivent, c'est que. Il y en a quand même pas mal, ouais, ouais. La majorité peut avoir tort, hein, mais. Tout à fait. Nous pouvons repartir dans une discussion philosophique. J'attends que tu aies terminé quand même pour avant de. Ouais, terminé avant de couper l'œil, parce que je me dis que vous allez quand même vouloir avoir le résultat terminé. À peu près. Pour passer un petit zoom dessus. Oh, je suis fatiguée en ce moment, j'en ai marre de vivre. Ça te gêne toi l'hiver ou ça te gêne pas? Avec, j'ai envie de te dire. Tu préfères quand il fait beau aussi. Oh, moi j'aime bien quand il fait pas trop chaud, pas trop froid. Et au final, bah, c'est des saisons qui sont pas trop. Enfin, c'est des temps qui restent pas, donc. Moi c'est on surtout les journées courtes. Ouais. Le manque de soleil, c'est ça qui. Mais encore là, ça va. On est parti à se rallonger. Oui. Mais et ouais, nous, là, aussi. Le soleil recommence à rentrer un peu dans la véranda. À l'arrivée, c'est très déprimant. Ah, arrivé voilà. L'automne, hiver, c'est ce que je les dire. Journées où tu as l'impression qu'il fait tout le temps nuit, oui, je te rejoins. C'est terrible. Je trouve que ça nous crée une fatigue. Ouais. Je vais me doper à la spiruline. Ah, ou au magnésium. C'est les ouais. J'en avais entendu parler. Ah, tu utilises ça mm-hmm. Et ça marche, tu trouves? Oh, ouais, super bien. Tu les trouves où? Non, à peu près, non. En pharmacie, t'en as? En pharmacie, je sais pas. Non, tu peux aller sur un magasin bio. D'accord. Donc, t'en trouveras. Je te conseille en comprimé parce que c'est un goût particulier. Il y en a qui peuvent pas ouais. le manger comme ça. Tu peux te le faire en petit cachet. Et franchement, il y a plein de choses pour les articulations, pour les trucs. Enfin, c'est un bon booster naturel. Donc, Donc pourquoi pas? De toute façon, il y a plein de choses. Mais, en s'approchant de l'hiver, inciter. Chargé. Allez, fais voir ton beau dessin d'un peu plus près sous la caméra. Ça y est, la fini. Ah oui, par là. Ah ouais, mais alors, dis donc, il fait plus haut. Ouais, c'est les réglages. On est encore sur. Mais il fait plus haut son dessin. Pourtant, il semblait avoir. Oui, pourtant, on n'a pas mis la lumière. Et justement, là, c'est peut-être que parce que vu qu'il n'y a plus de lumière, la caméra est un peu en mode bourrin. Ouais. Donc, elle va sursaturer pour. Ouais. Pour faire ressortir, ça serait pas étonnant. Ah oui, non, mais c'est bon là. Oh non, mais en vrai, pas tant que ça. Non, ça va. C'est ça qui fait. Le haut et le bas. Regarde sur l'écran. T'as vu le trop beau dessin. Non, ici. Voilà. La façon d'ancrer et tout, comment ça joue sur la perspective aussi. Trop chouette. Ouais, est-ce que tu veux ajouter un petit mot sur tes projets, sur Non. Non, j'ai pas de publicité à faire. Non, c'est cool. Ceux qui sont sur Limoges, qui veulent dessiner, il y a l'école du crayon de bois. Ah oui. Voilà. Je t'avais renvoyé un petit. C'était Gaspard. Tu l'as pas? Gaspard comment? Oui, on a un Gaspard. Qui vient d'arriver, qui est en CM2. Qui a 10 ans. Bonne question, je ne sais pas. Je leur avais donné. Ah non, elle m'a dit. Alors, au début, elle m'a dit, ça fait plusieurs fois que j'ai contact, j'arrive pas à les avoir. Ça arrive. Ça, c'est notre premier test de sélection. On regarde si vous êtes bien motivé.
Au bout du 10e message insistant avec une mise en demeure, on commence à répondre. Je vais lui dire de faire une mise en demeure si c'est ouais, pas... Ouais, faut contacter son avocat et tout. Non, désolé, ça peut arriver qu'on se laisse déborder, on est pas mal à passer sur la boîte mail, des fois on fait des erreurs de manip, et puis il y a des messages qui disparaissent, ah, ou qui sont enfouis. Donc ouais, n'hésite pas à nous relancer. Après, en termes de place, il ne reste pas grand-chose. Mais voilà, et puis sinon, ben non, rien de particulier. Il y aura des petits projets, mais là pour l'instant, ben, j'en suis loin. Donc... Mais écoute, je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. Ça fait trop plaisir que tu sois revenu, c'est hyper sympa. Bah oui, mais c'est parce que c'était sympa que je suis revenu. Sinon, je me force pas. Je détestais, mais j'aime bien la torture, alors je suis revenu. Non, mais tu vois, je serais revenu pour vendre un truc. Non. Si c'était juste pour ça. Je serais revenu, je t'aurais dit oui, bon, en ce moment, j'ai besoin de vendre un truc. Est-ce que je peux repasser? C'est quand même très rigolo que je pense que si t'es là aujourd'hui, c'est quand même parce qu'on s'est croisés chez l'opticien. Oui. D'ailleurs, on met une manuette. C'est vrai que... Mais en fait, j'y pensais déjà un petit peu. Et puis, ben, l'occasion a fait que, voilà. On s'est dit, bah, ça serait bien qu'on se refasse un live et puis on avance. J'ai raconté ça hier à une pote, mais il n'y a pas de hasard. Exactement. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est que tu devais revenir. Que tomber sur le truc et tout. Non, puis c'est vachement bien. Enfin, c'est très agréable. Ouais, hein, c'est cool de pouvoir la faire. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que je me perds. Du coup, mais je pense que je me perdrai aussi. Si tu dois gérer le chat, le truc, le machin, aller lire... Ouais, le... mais au début, je savais pas. Au début, j'étais en mode, je faisais. Et en fait, je me rends compte que ce qui est agréable, c'est pas forcément de dessiner, de faire un truc parfait. C'est d'être dans l'échange. Oui. C'est le fait que t'es à la fois dans la discussion, à la fois dans ta création. Les deux vont ensemble. Donc ouais. Effectivement, t'avances moins vite. Tu fais pas un dessin pour faire un dessin. Oui, mais c'est pas grave. Et en fait, t'es plus dans un échange, quoi. Et donc c'est bien, je pense, de prendre le temps. Oui. Mais sinon, ça sert à rien de faire un live. Tu fais une vidéo tuto, mais si t'en as rien à faire des gens qui sont autour, bon bah. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est important. Ouais, fais une vidéo, il ne lit pas les commentaires, et puis ce sera parfait. Superbe, on te dit. Mais si. Oui, chez Anecdote, il y en a un. Je pense qu'elle parle du livre de Loïc. Ah oui. Effectivement, il y en a un en français. Ouais. Eh bien, sur ce, on va vous souhaiter une très bonne soirée. C'était trop cool de vous avoir eu tous les deux. Très chouette échange, merci. Merci à vous d'avoir été là, c'était hyper sympa. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont le faire en décalé. On en avait eu plein des chats d'ailleurs. On en avait reçu une tonne après, ouais. C'est vrai que le mercredi après-midi, t'en as plein qui peuvent pas. En fait, il y a plein de gens qui... Ben oui. Je comprends. Donc voilà, possible que tu reviens quand. On dit jamais 203. Hein, mais bien sûr, mais je repasserai, mais alors quand, je ne sais pas. Mais quand, je ne sais pas, mais peut-être sur des prochaines vacances, tu vois. Ouais, moi, ça peut me donner l'occasion que j'en parle un petit peu plus. Et puis, justement, pour nos élèves qui nous suivent, ça peut leur permettre de se faire un petit atelier pendant les vacances. Si tu penses à faire le YouTube, tu me dis, parce que je pense que là il y a plein de monde qui sera intéressé. Ouais, mais oui, pour du replay. Bah, parce que je crois qu'il faut un certain nombre d'abonnés si tu veux faire des lives sur YouTube. Non, si tu peux pas faire un live sur YouTube, je crois que tu peux plus si tu as moins de 1000 abonnés. Ah non, 1000, ça paraît beaucoup. Parce qu'on a fait à l'avant, c'est sûr. On a commencé des lives, on avait 400. Ouais. Les lives, on avance avec moi, ouais, c'est sûr que ça. C'est sûr. Le 1000, ça ouvre des choses, ouais. Il me semble que c'est un peu plus récent, hein, mais c'est peut-être qu'ils l'ont glissé là. Je sais plus, j'en discute avec eux. C'est possible qu'ils ont mis une limite pour éviter. Peut-être qu'il y avait trop de lives et que du coup, ça mangeait toutes les pentes passantes ou un truc comme ça. Ils ont mis une limite, mais 1000, ouais. Ça me paraît beaucoup quand même. 1000, c'est leur base pour commencer à pouvoir mettre de la pub sur les vidéos. Et enfin, il faut 1000 plus un nombre de vues, plus une quantité de vues. C'est tout ça, ce qui est plus compliqué à obtenir en vrai, c'est le nombre d'heures de vue qui est assez conséquent. Enfin, quand tu fais des lives, comme ça, des vidéos comme nous, comme ça, regarde là, on y est depuis 3 heures. Ouais, ça fait 3 heures 10 que 3 heures 10 que le live est lancé. On a fait 3 heures de live, donc ça va vite, les heures. Il y a 10 personnes qui ont regardé déjà, c'est 30 heures de plus en compteur.
Hein, tu passes ta journée à faire un live. Ouais. tu fais. Donc voilà. Voilà, on verra. Et puis justement, avec Marie Jamie. Les deux autres collègues, tu vois, nous on se disait que. Parce qu'il faut les faire vivre les trucs. Et je crois qu'on est, on n'est pas forcément. Mais si on se relaie, bah tu vois, tu peux. Ça peut faire de la vidéo un peu régulière, et puis en plus avec des points de vue différents, des choses qu'on a envie de montrer. Oh, mais ça cartonne, ça. Et d'ailleurs, Marie, si tu veux venir un coup à la maison, même tous les deux ensemble, enfin bref. C'est avec plaisir pour faire un petit live ensemble. Ça permet de faire découvrir aussi les univers de d'autres illustrateurs. Carrément. Donc, ouais, n'hésite pas à me contacter si tu veux venir à la maison. Je suis pas très loin. Hein. Je sais pas où elle habite, Marie, si elle est loin ou pas. Elle est un peu plus loin. Un petit peu, mais elle passe de temps en temps sur l'image. Donc, il y aura peut-être moyen. Oui. Bon. Donc, tu voulais ça. Tiens, moi, au jus. Eh bien, on vous fait plein de gros bisous. Mmh. Et puis on vous dit à bientôt. Salut. We'll be right back.